par nos louanges. La place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir, viens établir, établir ton trône éternel. Par nos louanges. Jésus prend la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens, viens établir, viens établir, établir ton trône éternel par nos louanges. T'adorons et nous t'exaltons. Viens, 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 viens établir ton trône éternel par nos louanges. Je nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place. En lui, Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Nous te proclamons, roi. Tu es, tu es. Oh, oh, oh. Au milieu de nous. Au milieu. Nous t'adorons et viens, 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 viens établir ton trône éternel par nos louanges. Je nous t'invitons, Jésus, prends la place. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Nous te proclamons, roi. Tu es, tu es. Nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Hey, 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 viens, viens, viens établir ton trône éternel par nos capable de faire lorsque tu prends les rênes, lorsque tu es reconnu comme le commandant en chef. Makelebo, Machalamaya, nous t'adorons.
Ça veut dire nous sommes les sacrifices vivants et nous disons viens, 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 investis, investiture divine, par nos louanges, nous t'invitons. Centre chrétien Pointe-Noire, dans cette atmosphère de la présence de Dieu, veuillez vous asseoir. Alléluia. Dis à ton voisin que ta vie soit transformée. Ouais. Dis-lui que ma vie à moi soit transformée. Quelqu'un me dit amen. Et avec moi, j'ai un héritage. Et avec moi, je suis enfant de Dieu. Bien-aimés, nous avons vu que si nous sommes enfants de Dieu, nous avons un héritage. Nous n'avons pas le droit de vivre comme des déshérités, alors qu'il y a un héritage qui a été préparé pour toi et pour moi. Et l'héritage n'est pas un mythe. Il n'est pas un concept, il est une réalité. Tu lis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tu verras que ceux qui ont marché avec Dieu, dans l'Ancien Testament, on ne voit que l'ombre, mais ceux qui ont marché avec Dieu, dans la Nouvelle Alliance, ont manifesté l'héritage. La vie abondante, la vie de victoire, la vie de conquête, la vie où on domine, la vie où on règne, dès maintenant dans cette vie. Et ça continuera dans l'éternité. On règne sur les limitations, on règne sur les éléments de la création, on règne sur les puissances invisibles et sur les puissances visibles. Et avec moi, c'est possible. Nous avons vu qu'il y a des conditions pour opérer à cette dimension. Dis encore avec moi, c'est possible. Nous avons vu qu'il y a des conditions. Ce n'est pas le jeûne et la prière seulement. Non, c'est plus que ça. Ce n'est pas prier, c'est beaucoup plus que prier. Ce n'est pas chanter, c'est beaucoup plus que chanter. Nous avons vu que la première condition, c'est croire. Et nous avons vu que la deuxième condition, c'est mûrir. La maturité. Lorsque l'enfant naît de nouveau, qui contient tout dans son esprit, mûrit. Ça veut dire que ce qui est dans l'esprit sort et impacte l'âme. La maturité, c'est lorsque l'esprit est capable maintenant de prendre le volant. Dire à quelqu'un, laisse l'esprit prendre le volant. Et on a vu que le volant, c'est l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a le mouvement. La maturité, c'est lorsque les paroles que Dieu prononce, tu es capable de marcher sur ces paroles et de ne plus laisser la chair court-circuiter, paralyser, neutraliser et teindre toutes les instructions du Saint-Esprit. La clé de la réussite, c'est le Saint-Esprit. Mais encore faut-il que tu acceptes qu'il prenne le pouvoir. Tu ne peux pas demander, toi, peuple, à un chef d'État de changer ta vie si d'abord tu n'acceptes pas qu'il prenne le pouvoir. Prendre le pouvoir, ça veut dire prendre le commandement des opérations. Ça veut dire tu lui autorises, tu lui donnes l'autorisation d'injecter, d'introduire ses lois. Parce que c'est grâce à ces lois qu'il pourra appliquer son programme ou encore sa politique ou encore manifester ce qu'il s'est engagé à faire. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens? Si tu comprends ce que je dis, dis amen. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te changer, de changer tes conditions, de changer ton style de vie, si tu ne donnes pas le pouvoir. Et quand tu lui donneras le pouvoir, il dira, maintenant, voici, je fais voter telle loi. Cette loi va me permettre de t'emmener à tel résultat. Telle autre loi va me permettre de réaliser tel aspect de ce que je m'étais engagé à faire. Telle autre loi va me permettre de réaliser telle partie de mon programme. Parce qu'il a pour nous, car j'ai formé, parce, il ne dit même pas pour vous, il dit sur vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir.
et de l'espérance. J'ai formé sur vous. Il dit même pas pour, il dit sur. Ça veut dire que chacun d'entre nous est unique. Il a formé sur, ça rentre comme un costume sur mesure. Mais pour que ces projets se manifestent, il faut que tu acceptes de me donner le gouvernement. Sachant que si ce n'est pas moi qui gouverne, c'est la chair qui va gouverner, c'est-à-dire prendre le volant. Dis à quelqu'un, hors de question. Parce que la chair, nous l'avons vu, est alliée de Satan. La chair fait partie de la trilogie de Satan. Satan est le singe, l'imitateur, le copieur de tout ce que Dieu fait. Dieu a sa trinité. Satan a sa trilogie. Dieu a la trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les 301. Dis-moi Amen. Satan n'a pas de trinité, mais il a créé un concept de trois. Satan, le monde et la chair. Les trois sont un. Quand tu sers l'un, tu sers l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Le gouvernement de Dieu, c'est simplement laisse Dieu gouverner. Tu verras à quoi ça ressemble. Je te garantis que tu ne seras jamais dans la confusion. Quel que soit le besoin que tu as, quand il gouverne, ta vie sera un chef-d'œuvre. Quand il faudra prendre des décisions importantes et stratégiques, l'esprit de sagesse s'exprimera. Quand tu auras besoin de conseils importants, l'esprit de conseil se révélera. Quand tu auras besoin d'être préservé du mensonge, l'esprit de vérité exposera la fausseté. Quand tu seras souffrant dans ton corps, l'esprit de vie se manifestera et il patrouillera à l'intérieur de toi. Il ramènera à la vie ton corps. Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il sait le faire. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Ça marche pour les fils. Parce que les enfants... Quand tu es enfant, les enfants ne savent pas se soigner eux-mêmes. Il faut les envoyer chez les docteurs. Il faut leur donner les médicaments. Ceux qui ont atteint la stature des fils rentrent dans l'armoire. Ils prennent ce qu'ils savent se soigner. Ce que j'essaie de dire, c'est que au stade de la maturité, les fils, ce n'est pas mauvais qu'on t'impose les mains. Les fils n'ont même plus besoin qu'on leur impose les mains. Ils savent comment prendre le miracle, la guérison et l'amener à manifestation. Mais c'est ok. Si on impose les mains, c'est normal. C'est normal, c'est dans la Bible et c'est bon. Parce que tout le monde n'est pas encore fils. Mais grandis vite. Et arrive au stade, arrête de toujours donner ta tête. Toujours ta tête. Ça fait 10 ans que tu donnes ta tête. Grandis. Atteins la stature des fils. Là où il y a une douleur, il y a un bobo, tu dis au nom de Jésus. Tu sais comment faire pour faire disparaître ce bobo. Parce que l'esprit de vie qui est en toi, tu dis Saint-Esprit, voilà, si ton corps patrouille maintenant à l'intérieur. Agis ici, vas-y. Tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Mûris, vite. Parce que cette dimension est possible. Mais elle n'est pas automatique. Il faut croire et il faut mûrir. Avant même de parler de la troisième, ça c'est même pas pour ce séminaire. C'est trop loin. Il faut déjà qu'on arrive à mûrir. Mûrir, c'est quand l'homme intérieur, né de nouveau, grandit, devient fort et arrive à prendre le volant. Et ce n'est plus l'ordinateur de bord qu'on a appelé hier la chair qui contrôle. Et c'est l'esprit qui contrôle. Dis-moi Amen. Alors hier, on a parlé de la chair, les 5 sens. On a expliqué comment la chair est l'ennemi numéro 1. La taupe. L'agent infiltré qui travaille pour le compte du gouvernement ennemi. Il est sous ta peau et il est avec toi tous les jours. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu ne peux pas ouvrir avec un couteau la peau et dire j'enlève la chair, même si tu fais ça là. Il faudra enlever toute la peau de tout le corps. Mais tu ne ressembleras plus à rien et tu seras enterré vite. Donc la solution, ce n'est pas ça. La solution, on le verra, c'est la crucifier. La chair n'est pas ton ami. Elle est ennemie de la loi de Dieu. Et on a dit quel était le problème que causait la chair. C'est que la chair faisait la guerre à l'âme. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a longtemps.
La chair est un laboratoire de fabrication, de passion, de désirs corrompus. Parce que la chair est habitée par le péché, la méchanceté, par la nature du diable, le péché. Et la chair fabrique en permanence les cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, le goûter. Fabrique en permanence en fonction de ce qu'il recueille comme information. Il fabrique en permanence des messages pervertis. Autrement dit, ce que tu reçois de tes cinq sens qui arrive dans ton cœur, dans ton âme, n'est pas digne de confiance. Ce qui est digne de confiance, c'est ce que Dieu dit. Ce que tu reçois des cinq sens produit passion et désir corrompus, impudicité, jalousie, colère, amertume, peur, manque de pardon, manipulation, sorcellerie, magie, pharmakeia en grec, faux témoignage, meurtre, excès de table, querelle, etc. Est-ce que quelqu'un me suit? On a dit que la chair, depuis ta naissance, fait la guerre à l'âme. Donc la chair passe son temps à bombarder l'âme, sans que tu fasses exprès. À cause de ce que tu entends, à cause de ce que tu vois, il y a des passions méchantes qui viennent. Des envies, des jalousies, des impudicités, des envies de coucher, des envies de machin. Tout ça, ça vient en fonction de ce à quoi tu as été exposé. Et quand la chair fait la guerre, ces bombardements, ces obus laissent des traces, des marques. Parce que lorsqu'il y a une guerre, il y a toujours des marques. Si c'est vrai, dis-moi amen. Et c'est à cause de ces bombardements, ces blessures de l'âme causées par la chair. Parce que, en gros, la jalousie, l'envie, les rivalités, les querelles, les disputes, l'impudicité, le mensonge, les faux témoignages, les calomnies et les choses semblables, les superstitions, toutes ces choses, il révèle qu'elles blessent l'âme. Elles ne t'apportent rien de bon. Elles te rongent et te détruisent. Elles n'apportent rien de bon à ton âme. Elles accablent, elles troublent, elles affligent, elles rongent, elles cognent ton âme. Elles agissent contre toi. Voilà pourquoi c'est insensé aux yeux de Dieu de bichonner et de garder le manque de pardon, la rancœur, parce que tu es en train de prendre Satan et de le laisser cogner. Et quand il dit pardonne, c'est parce qu'il sait que c'est en train de cogner ton âme. Or, tu ne peux pas prospérer au-delà de la prospérité de ton âme. Voilà pourquoi Dieu dit, donne-moi le volant. Parce que si tu ne donnes pas le volant, cette chair va prendre, mais quand la chair prend le volant, elle ne prend pas le volant en réalité, elle cogne le volant. L'esprit prend l'homme intérieur, la chair prend et casse, tape sur le volant. C'est à cause de ces blessures que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce que ton âme en a assez. Personne ne prend plaisir à être toujours dans la peur, dans l'envie, dans la jalousie. Même si tu te dis, tu penses que tu aimes ça, c'est pas, en fait c'est faux. C'est parce que ton cœur s'est endurci, que tu restes comme ça. Mais tu ne peux pas me dire que tu es heureux, heureuse, en étant rempli de ressentiment et de haine. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu dois savoir? C'est de la même manière que les cadavres attirent les vautours, les blessures de l'âme, les trous, les envies, les jalousies, l'impudicité. Toutes ces choses attirent les démons. C'est ça qui sert aux démons de point d'ancrage. Un démon ne peut pas rester s'il n'a pas un point d'arrimage, un point d'ancrage. Est-ce que quelqu'un me suit? Les œuvres de la chair que tu prends plaisir à pratiquer révèlent les démons à qui tu as donné un accès à ta vie. Si c'est l'impudicité, c'est l'esprit d'impudicité à qui tu as donné accès. Si c'est la jalousie, c'est un esprit de jalousie. Si c'est la superstition, c'est un esprit d'idolâtrie à qui tu as donné accès. La superstition, c'est quoi? C'est tous les gens qui ne se contentent pas de Dieu,
et de Jésus. Qui est à côté de Jésus veulent toujours prévoir voie de secours. Au cas où Jésus n'agit pas, Jésus est suffisant. Il est tout suffisant, tout puissant. Tu n'as besoin de personne. Tu dois brûler les totems. Tu dois brûler les statuettes. Tu dois brûler toutes ces choses qui te font croire que derrière cette chose-là, c'est un démon. Ce n'est pas Dieu. Tu dois les jeter et dire, Seigneur, je dépends de toi. Mes sources sont en toi. Toi seul me suffis. Ta grâce me suffit. Faute de quoi? Tu es dans l'idolâtrie. La plupart des gens qui sont dans l'idolâtrie ne savent pas que sont dans l'idolâtrie. Mais tu le sais parce que tu marches dans la défaite. Tu ne peux pas être dans l'idolâtrie, être en communion avec un démon et marcher dans la victoire. Comment peux-tu dominer Satan lorsque tu l'as invité en toi? Comment tu fais? Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière que les cadavres attirent les vautours, les blessures de l'âme attirent les démons. Beaucoup d'entre nous ici sont oppressés par des esprits mauvais. Beaucoup. Et tu ne dois jamais sous-estimer un démon. Parce qu'en fait, ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui, mais quand tu ouvres la porte à un seul esprit, il y en a qui disent, non, moi c'est seulement l'esprit de rejet, moi c'est seulement la peur, moi c'est seulement la fornication. À part ça, pasteur, il n'y a rien d'autre. À part ça, tout le reste va bien. Ce que tu ne sais pas, c'est que jamais un démon ne va rester seul dans ta vie. Un démon, quand tu lui ouvres une voie, il va toujours inviter ses potes. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Quand il dit, lorsque l'esprit impur est chassé, il va vers les lieux, il cherche du repos. Et quand il n'en trouve pas, il revient. Il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Il va. Satan est un destructeur. Il ne peut pas. Un démon ne détruit jamais seul. Quand tu laisses un, il va toujours inviter ses copains. Et la Bible dit, la condition de cette personne devient pire que ce qu'il était auparavant. Saül a commencé avec la jalousie. C'était juste. Dis un. C'était juste. L'esprit de jalousie, c'est juste faire des coups bas. Mais l'esprit de jalousie a invité un autre esprit, l'esprit de haine. L'esprit de haine a invité un autre esprit, l'esprit de meurtre. L'esprit de meurtre l'emmenait à tuer 80 ministres du culte. Les gens par lesquels il avait été consacré pour devenir roi, il les a fait massacrer. Tu n'as aucune idée. Quand tu en tolères un, quand les autres vont venir, tu n'as aucune idée des actes que tu pourras poser demain. Tu n'en sais rien. Imprévisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque l'âme est accablée, est blessée, est rongée, est meurtrie, l'âme devient une proie, une piste d'atterrissage. Avant d'essayer de chasser le démon, comme avant d'essayer de chasser les vautours, retire d'abord les cadavres. Avant de chasser les démons, restaure d'abord, remblais d'abord l'âme. Parce que tant que les blessures sont là, les démons ont de quoi manger. Ils vont s'accrocher à ça. C'est pour ça que Jésus dit dans Luc chapitre 4, verset 16, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, virgule, pour proclamer aux captifs la délivrance. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Et regarde l'ordre, et l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, virgule, pour guérir les cœurs brisés, virgule, pour annoncer aux captifs la délivrance. J'ai dit Luc 4, verset 18. Je n'ai pas dit Luc 4, verset 16. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, virgule, annoncer aux captifs. Tu ne peux pas libérer les captifs tant que le cœur brisé n'a pas été guéri. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu comprends pourquoi, mon frère, il faut faire disparaître les trous, les moules, les schémas, les cratères qui sont dans l'âme. Ces systèmes de pensée, ces habitudes de manipulation, d'impudicité, de haine, de colère, d'idolâtrie, de manipulation, parce qu'ils font de toi une proie facile.
pour Satan. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu, amen. Si tu es dans l'église, ne sois pas la personne par laquelle le scandale arrivera. Je vous disais hier, Satan n'a pas besoin d'envoyer des sorciers. Il envoie toujours. Mais les sorciers dans l'église ne sont pas les plus dangereux. C'est ce que j'ai découvert. Les plus dangereux, ce sont les gens qui sont des piliers, qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont pas, qui ne se sont pas débarrassés, comme Judas hier, de ces choses qui étaient dans leur cœur. Et qui faisait déjà d'eux une piste d'atterrissage de Satan. Ne sois pas une piste d'atterrissage. Ne sois pas la personne par laquelle le scandale arrivera. C'est ce que Jésus appelle des occasions de chute. Jésus dit dans Luc chapitre 17 au verset 1. Il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Jésus dit, Jésus annonce, c'est fort ce qu'il dit là. Il y aura toujours des gens qui vont causer la chute d'autres personnes. Ce n'est pas moi qui ai dit. Il dit, il est impossible, tant que Satan rôde, il est impossible qu'on ait une œuvre, une église, une famille, une entreprise sans scandale. Oh! Il dit, mais Jésus, tu crois, tu n'as pas foi ou quoi? Non. Il te dit que c'est impossible que ça n'arrive pas. Autrement dit, ça arrivera toujours. La question c'est, par qui? Malheur à celui par qui le scandale arrive. Il y a toujours dans l'église et dehors des gens par qui le scandale arrive. Des gens que Satan a décapités. Il a kidnappés. Jésus a eu son Judas. Paul a eu Démas. Tout le monde en a. Dans chaque église, il y en a. Dans chaque conseil d'église, Satan va envoyer toujours quelqu'un. Ah, Seigneur. Paul a eu des masses, le grand apôtre Paul. Regardez ce qu'il dit dans Colossiens 4, verset 14. Quand Paul écrit ses lettres. Je vous ai dit hier, tout le monde aurait aimé avoir son nom écrit dans la Bible. Si c'est vrai, dis-moi amen. Regarde. Regarde Colossiens 4. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Paul écrit et dit, Luc, celui qui a écrit l'évangile de Luc, celui qui a écrit Actes des apôtres, c'est Luc. Luc vous salue. Et c'est pas tous les gars. Il y a aussi Démas qui est avec moi. Paul est fier de parler de Démas. Philémon, 23, chapitre 1, verset 23-24. Voilà ce que Paul écrit. Il ne manque pas de rappeler, de célébrer les personnes qui travaillent avec lui. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, Philémon. Ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Ce sont ceux qui voyagent avec moi. Ce sont des missionnaires. Paul était apôtre, mais Paul ne voyageait pas seul. Il voyageait avec une troupe. Ça, c'était les piliers de Paul. C'était les généraux de Paul. C'était les bras droits de Paul. Ce n'étaient pas les personnes qui l'établissaient dans les églises. C'était eux qui établissaient les autres. Parce que Paul allait de ville en ville. Et dans chaque ville, il établissait des anciens. Il les recommandait à la grâce de Dieu. Et il continuait avec sa dream team. La dream team de Paul. Il les cite. Epaphras, Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre, c'est ceux qui font le travail avec moi. Mes compagnons de travail, je bénis Dieu pour eux. Je rends grâce à Dieu pour eux. Ils sont avec moi. Ils portent les armes avec moi. Je ne suis pas seul. La vérité, c'est que personne n'est jamais seul. Et Paul prend le temps de rendre grâce à Dieu. Et quand il écrit, il veut qu'il sache que les autres aussi les saluent. Pendant qu'il écrit la lettre, Luc dit, passe un bonjour à l'église de Colosse. Marc dit, passe un bonjour à l'église de Colosse. Aristarque dit, passe un bonjour à l'église de Colosse. Démas dit, passe un bonjour à l'église de Colosse. Paul dit, avec plaisir les gars, je signe. Dis-moi amen. Et puis, vers la fin du ministère de Paul, après que Paul ait pris des coups dans la vie,
Parce que vers la fin de son ministère, c'est 2 Timothée. Paul écrit 2 Timothée 4, verset 10. Oh, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour. Est-ce qu'à la régie, vous pouvez être plus diligent et plus réactif, s'il vous plaît? Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Dis avec moi Démas. Dis avec moi Démas. Un compagnon d'œuvre. Un membre de la Dream Team. Un pilier. Mais vers la fin de son ministère, Paul écrit avec regret. J'ai le regret de t'annoncer, Timothée. Démas, mon pilier, mon compagnon d'œuvre, un de mes porteurs d'âme, m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent, il est parti. Quoi? Qui? Démas. Démas a lâché. Démas est retourné dans le monde. Oh non! Comment Démas? Un bébé spirituel, j'aurais compris. Un épios, j'aurais compris. Mais pas Démas. Si, Démas est parti. Comment Démas a pu lâcher Paul? T'imagines les conséquences? T'imagines les commentaires des gens dans les différentes églises, à Colosse, à Philippe, à Corinthe. Les gars, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Démas a rétrogradé. Qui? Le gars de Paul? Et puis c'est le Paul là qui veut nous enseigner, il veut nous prêcher. Comment un apôtre, prophète, docteur, il avait les 3 casquettes, apôtre, prophète, docteur, n'est même pas capable de détecter un faux type dans son équipe. Et le gars, il est reparti dans le monde. Il dit par amour pour le siècle présent. Il lâche, il repart dans le monde. Et c'est lui qui veut nous convertir. Il n'est même pas capable de convertir. Quoi? Mais c'est un prophète ou pas? Mais si un prophète n'est pas capable de voir qu'il y a un faux type à côté de lui, pour moi, ce n'est plus un prophète. Paul, moi, je n'écoute plus. Quand il envoie des lettres, je ne me lisais plus ces lettres. Il n'est pas qualifié. Et maintenant, les faibles dans la foi disent, si un Démas, un Pink, une colonne a lâché, a abandonné la foi, nous qui sommes bébés, comment veux-tu qu'on tienne? Ah, moi, si c'est comme ça seulement, votre affaire de Jésus, là, laissez-moi tomber pour faire repartir dans le monde. Ah, non, 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 non. Non, non, non. Attendez, moi, j'ai renoncé au monde. J'ai renoncé aux boîtes de nuit. J'ai renoncé au sexe. J'ai renoncé aux femmes. J'ai renoncé au bling-bling. Moi, j'aimais le matérialisme. Moi, j'aimais les voitures. J'aimais les grosses maisons. J'aimais le luxe. J'ai renoncé à ce à quoi j'étais attaché. Et vous me dites que Démas est reparti à ce que moi, j'ai renoncé. Si c'est comme ça, moi aussi, je repars là-bas. Allez, c'est moi. Voilà. Comment une personne qui chute devient une occasion de scandale et la foi de plusieurs faibles est affectée. Maintenant, écoute les commentaires. Vous dites ça, c'est Paul, un prophète. Il prie pour les gens, il n'est même pas capable de discerner. Même pas capable de connaître les gens qui sont avec lui. Ah, c'est un imposteur. Votre Paul, là, c'est un faux type. Voilà comment on se sert des occasions de scandale. Il y a toujours dans les comités de direction, dans les dirigeants, des personnes dont l'âme n'a pas été restaurée, mais qui le cachaient. Démas, en réalité, le Saint-Esprit m'a dit, on ne rétrograde pas comme ça, par hasard. Si Démas a rétrogradé, ça veut dire que Démas, avant de devenir, ça veut dire que Démas, dans son passé, et quelqu'un qui a sûrement grandi avec Beyoncé, dans un environnement de Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, boum, 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 il aimait la musique, yo, peace, man, oh, t'es bien coiffé, mon gars, on dit quoi? Oh, la bagnole, wow, c'est la quoi, la dernière Bentley, wow, c'est la dernière Porsche, la gars, bim, peace, peace, là, dans ma craie, peace, peace, tape là, paf, show, man. Yo, check this out. Yo, boom, 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 boom.
oh, oh, oh. Et puis un jour, Démas écoute l'évangile et il se convertit. Démas est sincère, il s'est converti. Et dans le cheminement, Démas s'attache à Dieu. Démas grandit avec Dieu. Démas grandit en responsabilité. Parce que Démas est un serviteur. Démas est un porteur d'armes. Démas aime décharger. Il aime donc, Paul, je vais m'en occuper. Et puis Paul le remarque. Voilà un gars qui aime le Seigneur, qui aime décharger, qui aime épauler. Ça, c'est le genre de personne qu'il me faut. Viens avec moi. Et Paul le fait grandir. Au début, il n'était sûrement pas avec Paul. Mais tu sais, c'est toujours par les fréquentations qu'il est recommandé. Il a dû côtoyer quelqu'un. Peut-être a-t-il côtoyé Aristarque. Peut-être a-t-il côtoyé Marc. Peut-être a-t-il côtoyé Luc. Et Luc a dit à Paul, Paul, il faudrait prendre quelqu'un comme Démas. Oh, c'est vrai. Oh, il a l'air bien. Ok, on le prend. Oh, il est satisfaisant. Il donne satisfaction. Mais il y a quelque chose dans son cœur. Il aimait le bling-bling. Il aimait le luxe. Il aimait les choses du monde. Et parfois, quand ils allaient en mission avec Paul, Démas allait lui aussi. Et quand il voyait une belle voiture, il dit, frère, Dieu t'a pas parlé par rapport à cette voiture. Tu n'as pas reçu une prophétie pour libérer ta voiture. Il dit, non, je n'ai pas reçu de prophétie. C'est pas grave. Paul, on continue. Tiens. Mais j'aime bien ta chenette là, ma soeur. Hein. Elle est bien. Hein. Je sens que vraiment, le Seigneur va te pousser à faire une offrande. Hein. Mais Démas, non, il ne m'a rien dit. C'est pas grave, on continue. Il y avait quelque chose dans le cœur qu'il n'avait pas réglé. L'amour du siècle présent. Mais c'était un bon serviteur. Je me livre totalement. Mané le boucher. Je me livre totalement. Je suis sûr que quand Démas chantait, les gens disaient, ouais, l'onction est là. Oh, peut-être qu'il était dans la chorale, conducteur de louange. Makelerebo. On disait, waouh, non. Quand le gars là nous conduit, on sent que le ciel est ouvert. On voit les anges monter et descendre d'auprès de Dieu. La gloire remplit le lieu. Je me livre totalement. Oh, Démas, trop fort. Et quand il descend du pupitre, il dit, t'as une belle bague là quand même, hein? T'es pas mal habillé. J'aime bien ta tenue. J'aime bien ton tailleur là, ma soeur. C'est pas mal, hein? J'aime ton costume, cravate, pasteur Gislain, vraiment. Démas avait quelque chose qu'il n'avait pas réglé. Satan le savait. Satan va toujours envoyer, pas des sorciers, mais des gens qui sont des piliers. Ils craignent Dieu. Il ne faut pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils marchent avec Dieu. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas traité. Et cette chose, un jour, alors que Satan voulait achever Paul et casser sa crédibilité, sa notoriété, parce qu'il faisait trop de miracles, et les gens commençaient à le respecter, il dit, maintenant, je rentre en Démas. Parce qu'au début, il n'était pas rentré. Comment Judas? Au début, il n'était pas rentré. Au début, c'était juste l'amour du bling-bling. Satan dit, c'est le moment. Il rentre dans Démas. Et quand Satan rentre, il te pousse à faire des œuvres que tu ne pouvais pas prévoir. Parce que quand Satan rentre, ce n'est plus toi qui vis. C'est Satan qui vit en toi. C'est lui qui prend le volant. Et tu poses des actes qui bafouent toute la bonne éducation, la bonne morale, le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des choses avec lesquelles tu as grandi. Il y a des choses, tu sais que ça, je ne peux pas faire parce que ça ne se fait pas. Je sais que quand on a une femme, quand on a des enfants, on prend soin de ses enfants. Mais il y a des choses que tu sais, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Mais tu n'as aucune idée de ce que Satan, quand il prend le volant, il va te faire faire. À ton corps va poser des actes. Les gens vont dire, comment peut-il aller à l'encontre de tout ce qu'il sait? La réponse, ce n'est plus lui qui vit, c'est Satan qui est rentré. Et Satan est rentré en Démas. Elle dit, maintenant, demi-tour. Démas a dit, yes sir. Va dans le monde. Il est reparti. Maintenant, on va voir Paul. Les gens disent à Paul, non, Paul, excuse-nous. Tu veux dire que tu n'étais pas au courant? Paul dit, non, je n'étais pas au courant. Non, excuse-moi, Paul. Non, parce que là, maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que tu étais complice? Parce que tu as laissé Démas nous encourager. Tu as laissé Démas prêcher. Tu as laissé Démas exhorter l'église. Tu as laissé Démas conduire des temps de prière. Comment Démas était comme ça, tu ne savais pas? Non, excuse-nous. Tu peux nous dire vraiment que tu ne savais pas? Paul dit, je ne savais pas. Il y en a qui ont dit, non, Paul, excuse-moi. Tu es prophète, tu es apôtre, tu es docteur. Excuse-moi, je ne te crois pas. Ciao, ciao. Paul dit, les gars, je
suis désolé. Paul était sali, discrédité. Quelle tragédie. Jésus avait Judas. Paul avait Démas. Moi, j'ai connu ce que je suis en train de te parler il y a 2 ans. Tu crois connaître les gens, tu ne les connais pas. Jésus a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. La question est, quelle est la personne par laquelle le scandale arrivera? Est-ce que ça sera toi? Parce que tu penses que les gens qui chutent ont voulu chuter? Ils n'ont pas prémédité. Les seuls qui ont prémédité, ce sont les agents du diable. Mais il y a des gens qui sont des vrais enfants de Dieu, qui n'ont pas prémédité. Mais quand Satan est entré, ils sont mis à faire des choses. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient les faire. Ils ont juste sous-estimé les œuvres de la chair, ne sachant pas que derrière ces œuvres, il y avait un démon qui tirait les ficelles. Voilà pourquoi, hier, je disais, je connais tous mes gars. J'ai confiance en eux. Quand ça m'est arrivé personnellement, le Saint-Esprit m'a posé une question. Parce que moi, je disais, demandais à ma femme, non, ça, ils sont sûrs. Et je lisais la Bible, je lisais Judas, Paul. J'ai écouté un jour que David Oyedepo, j'ai écouté un jour qu'il a eu un coup terrible de la part d'un membre de sa famille très proche qui a quitté l'église de manière scandaleuse. Et moi, quand j'écoutais ça, je dis, ah, les gars, pauvres d'eux, enfin pas pauvres d'eux, mais ils n'ont pas dû bien former leurs gens. Ils n'ont pas dû bien coacher les gens. C'est pour ça que nous, à ICC, on coach, on forme, on a des programmes de formation. On est monde, on taille. C'est afin d'éviter ça. Et moi, je disais en moi-même, ça au moins, je crois que ça n'arrivera pas parce que, franchement, pour émonder les gens, on les émonde. Pour coacher, on coach. ICC, on forme les gens. Et quand ça m'est arrivé, le Saint-Esprit m'a dit, dis-moi, tu connais les gens maintenant? J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, on ne connaît pas les gens. Et la grâce que j'ai eue, c'est que Dieu a su que mon cœur était sincère. Mais quand c'est tes bras droits, s'il y a une femme parmi tes bras droits qui se lève et qui dit le pasteur est amoureuse de moi, et qu'elle dit ça en public, tu sais que ce n'est pas vrai. Dieu sait que ce n'est pas vrai. Mais si la personne le dit à haute voix, Dieu merci, il a fait grâce pour que ça ne se soit pas dit. Parce qu'il a exposé ça avant. Et la sœur s'est repentie. Et j'ai prié pour elle, pour demander pardon. Pour qu'elle ne devienne pas folle. Mais il y a juste quelque chose qu'elle n'avait pas vu. Enfin, si elle a vu, parce que Dieu avertit toujours. Mais on néglige. On dit, oh non, c'est pas grave. On est des responsables. Mais si elle avait parlé, j'avais dit le pasteur Ivan, quelque chose avec moi. Ça allait être sa parole contre la mienne. Même si je viens et je dis, c'est pas vrai. Je m'en dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça m'a tellement traumatisé. J'ai eu... Non, Dieu a été bon envers nous. J'ai échappé à quelque chose de terrible. Ça aurait pu me salir et discréditer tout un pacte sans chrétien. Pas parce que j'étais fautif, j'ai rien vu venir. Je n'ai rien vu. Paul n'a rien vu. Il était prophète, apôtre, docteur. Et il a tiré une leçon qu'il a dit à Timothée. Il a dit à Timothée, tu sais Timothée, les péchés de certains hommes sont manifestes. C'est-à-dire, ils sont évidents. Mais il y en a pour qui? C'est seulement dans la suite qu'on voit ce qui était caché. Dieu ne montre pas. Parce que quand tu as une grande destinée, tu dois avoir des grandes trahisons. Et le défi, c'est traverser les trahisons avec amour pour les gens qui t'ont trahi. Quand tu réussis ça, tu as remporté la victoire. Que Satan ne te rende pas méconnaissable.
ne sous-estime pas. Ne sous-estime pas ce que Satan est capable de faire lorsqu'il entre. Regarde comment l'esprit d'amertume a rempli Absalom. L'esprit d'amertume a ouvert la porte à l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion a ouvert la porte à l'esprit de meurtre. Au point que Absalom, à cause de son amertume, en est arrivé à vouloir tuer, assassiner, détruire son propre père. Quand ça, au début, c'était que l'amertume. L'amertume a cédé la place à la rébellion. La rébellion a cédé la place au meurtre. Et voilà comment Absalom, un enfant bien éduqué, décide de tuer son père et de faire un coup d'état. Là où Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et lorsque tu en arrives au stade où tu veux la destruction, la mort de ton père ou de ta mère, laisse-moi te dire une chose, Dieu ne sera jamais avec toi. Jamais. Même quand c'est les plus grands sorciers de la planète, Dieu dit, honore-les, respecte-les. Parle avec respect de ton père et de ta mère. Parle-leur avec respect. Ton père et ta mère. Parce que, Proverbe 20, verset 20, dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. La version Parole de vie dit ceci, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa vie s'éteindra comme une lampe dans la nuit. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Voilà juste ce que les œuvres que tu considères comme étant banales, les œuvres de la chair, quand tu ne fais pas tout pour t'en débarrasser, elles te préservent un piège dont tu n'as absolument pas idée. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le jour où tu ouvres les yeux, parce que quand Satan entre, tôt ou tard, tu vas reprendre ton sens. Comme Judas a retrouvé ses esprits. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une grosse gaffe. Le jour où tu retrouves le bon sens, tu as le sentiment qu'il est trop tard. Parce que tu as fait beaucoup de dégâts. Et c'est ce qui pousse beaucoup de gens rongés par la culpabilité. C'est ce qui pousse beaucoup de gens au suicide. Parce qu'ils se disent, plus personne ne peut me pardonner. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te dire, le seul fait que tu écoutes cette parole, prouve qu'il n'est pas trop tard pour toi. Et que Dieu veut encore te relever, te sauver et te restaurer. À condition que tu avoues tes transgressions, tu décides de les délaisser et d'obtenir. Et tu obtiendras ainsi miséricorde. Je suis venu te dire que quelle que soit la manière dont ton âme a été blessée ou accablée, il est possible de travailler à la restauration de ton âme. En fait, c'est maintenant que mon message d'aujourd'hui commence. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Nous tous, dans notre enfance, notre âme a été bombardée par les convoitises, les désirs et les passions de la chair. Quand je suis né, j'ai été consacré à Mami Wata. J'aimais les femmes, j'aimais courir après les filles. Chacun son défi, chacun son challenge. Mais si nous sommes où nous sommes par la grâce de Dieu, ça veut dire qu'on peut être complètement restauré et faire en sorte que son passé ne soit plus jamais son futur. Plus jamais. Donc dis avec moi, c'est possible. La Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Comment fait-on pour pas que ta chair disqualifie ton futur et s'empare de ton âme et devienne face de toi une piste d'atterrissage pour le diable? Comment fait-on? Il y a deux secrets, et c'est le titre de mon message d'aujourd'hui, les deux secrets pour que ton âme soit restaurée. Les deux secrets, le premier secret, c'est crucifier la chair. Dis à quelqu'un, il va falloir crucifier ta chair. Le deuxième secret, c'est œuvrer à la restauration, discipliner ton âme. Il va falloir discipliner ton âme. Dis-moi Amen.
Tu as compris que la chair est dangereuse. Si tu l'as compris, dis-moi amen. Il y a quelqu'un, crucifie-la. Non, j'ai dit, dis à quelqu'un, crucifie-la. Sinon, elle va te détruire. Je déclare qu'elle ne te détruira pas au nom de Jésus. Crucifier la chair, ce n'est pas pour tout le monde. Crucifier la chair, c'est pour ceux qui ont décidé de manifester la dimension de l'héritage. Crucifier la chair, c'est pour ceux qui ont décidé d'opérer à la dimension des fils de Dieu. Crucifier la chair, c'est pour ceux qui sont déterminés à en découdre. Parce que crucifier la chair exige une violence contre la chair. Crucifier la chair, ce n'est pas pour ceux qui ont décidé de cajoler l'envie, l'amertume, la jalousie, l'impudicité, la fornication. Non, crucifier la chair, c'est pour ceux qui ont décidé de se juger eux-mêmes afin de n'être pas jugés par Dieu. Je n'ai pas entendu amen. Amen. La Bible dit, ceux qui sont à Christ, Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont en Christ ne peuvent plus dire tel péché est trop dur pour moi, tel péché est trop fort pour moi, parce que la Bible dit ceux qui sont en Christ, dès lors que tu es en Christ il y a la loi de l'esprit de vie qui te fait triompher et dominer la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que tu es capable, en toi il y a la capacité divine de dominer n'importe quel péché. Il faut juste que tu acceptes que c'est la vérité. Dis-moi amen. Amen. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il y a une loi dans tes membres. Avant, il y avait une loi à l'intérieur de toi qui te rendait esclave de la loi, qui te rendait esclave du péché. La Bible l'appelle la loi du péché et de la mort. Il y avait une loi dans les membres qui rend les gens esclaves. Ça, c'est tous les Adam. Et même ceux qui sont nés de nouveau en Jésus, en Christ, vivent la même chose. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité de faire le bien. Le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je suis en train de faire. Oh, misérable que je suis. Ça, c'est pour les Adam. Paul aussi a connu la même lutte. Mais après, Dieu lui a ouvert les yeux. Et c'est là qu'il s'est écrié. À la fin de Romains chapitre 7, il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et au verset 8, chapitre 8, verset 1, il dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit venait de lui révéler, Paul, je sais que tu es en train de lutter. Il y a une loi dans tes membres qui s'appelle la loi du péché et de la mort. Elle est rentrée lorsque Satan, lorsque le péché est rentré, la mort est rentrée. Il y a une loi qui s'appelle la loi du péché et de la mort. Elle tient les gens esclaves du péché, elle tient les gens esclaves des maladies. Parce que la mort de Satan, c'est ça qui engendre les maladies. Mais Paul, le Saint-Esprit lui dit, quand je suis venu en toi, moi aussi j'ai emmené une loi. On appelle ça la loi de l'esprit de vie. Laisse-moi seulement le gouvernement. Donne-moi le pouvoir. Je vais te montrer comment ma loi à moi domine la loi du péché et de la mort. C'est grâce à la loi de l'esprit de vie que le péché est dominé. Et c'est grâce à la loi de l'esprit de vie que, alors que la loi du péché et de la mort, tu dors la nuit. Tu ne sais pas pourquoi. Tu te réveilles le matin. Il y a une boule. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça vient d'où? Ça vient d'une loi qui est dans ton corps, qui s'appelle la loi du péché et de la mort. Que fait-elle? Elle produit le péché, elle produit les maladies. Mais il y a une loi, et Paul ne le savait pas. Il y a une autre loi que j'ai introduite, c'est la loi de l'esprit de vie. Paul, le seul truc que je te demande, sois conscient de ça, parce que Paul ne le savait pas. Le jour où il a découvert, il y a une loi en moi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. À partir de Jésus, je ne suis plus esclave de la chair et de ses œuvres. Parce que, en fait, tu vois, c'est pas que cette loi a disparu. Parce que tant que la chair est là, cette loi est là. Dis Amen. C'est pas que, tu vois, la loi de la pesanteur dit que tout ce qui est en l'air doit descendre. La loi de la pesanteur, c'est la loi de l'attraction, de la gravitation. Tout ce qui est en l'air est attiré vers le sol sur la terre. C'est la loi. Il y a une force qui pousse tout vers le sol.
Mais il y a une autre loi, la loi de l'aérodynamique, qui permet non pas de supprimer la loi de la pesanteur, mais qui permet de la dominer. Et c'est avec cette loi de l'aérodynamique que les avions parviennent à voler malgré la pesanteur. Si tu prends un avion et qu'il roule à la vitesse de moins 300 km/h en direction horizontale, il va pouvoir dompter la loi de la pesanteur par la loi de l'aérodynamique, grâce à laquelle l'avion parvient à s'envoler et à rester dans les airs. Et comme je te disais la dernière fois sur les lois du royaume, ce qui fait voler l'avion, ce n'est pas le pilote, c'est le respect de la loi de l'aérodynamique. Le pilote est juste là pour assurer là où va l'avion. Mais l'avion continue de voler, pas parce qu'il y a un pilote à bord, mais parce qu'il respecte une vitesse d'au moins 300 km/h à l'horizontale. Si le moteur se coupe, malgré le pilote, l'avion va tomber. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, tu n'as plus d'excuses. Les Adam n'ont pas la loi de l'esprit de vie. Voilà pourquoi il est attendu d'eux qu'ils pêchent. Hein, Adam est esclave du péché, il va continuer de pécher. Mais si tu viens en Christ, une loi est désormais en toi. Désormais, tu es capable de dominer le péché. Et c'est la même loi qui te rend capable de dominer n'importe quelle maladie. À condition que tu marches, non selon la chair, mais selon l'esprit, que le Saint-Esprit. Et le commandement. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez que j'enseigne? Je peux enseigner. Amen. Comment fait-on pour que plus jamais ta chair ne te joue des sales tours? La première clé est simple, c'est crucifie la chair. Tu as dit qu'elle est ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle injurie Dieu. La vue n'en a rien à faire de ton jeûne et prier. Dès qu'elle voit une femme nue, la vue dit « Arriba, arriba, arriba !» Alors, il n'y a pas d'espoir. Tu ne peux pas l'éduquer. Tu ne peux pas envoyer la vue ou lui à l'école et dire « Goudu, goudu !» Quand tu regardes une femme, on n'envoie pas des informations tordues à l'âme. On dit « Béni soit le nom du Seigneur !» La vue va te dire « M'en fous, je continue !» Donc, la seule solution, c'est crucifie-la. Dis-moi amen. Amen. Ton voisin n'a pas voulu que tu lui dises ça, mais dis-lui quand même. Crucifie ta chair, dis-lui, crucifie ta chair. Montre avec le doigt comme ça là. Montre avec, avec ton doigt. On te connaît toi là, je t'observe, hein? Je te connais. Je t'ai déjà remarqué. Crucifie la chair là. Que signifie crucifier la chair? Crucifier la chair signifie priver les cinq sens de leur force, de leur capacité de nuire à l'âme. C'est-à-dire, la vue ne trouble pas l'âme si les yeux ne regardent pas une scène mauvaise. L'ouïe ne trouble pas l'âme si l'oreille n'entend pas des paroles désobligeantes. Dis-moi amen. Comment veux-tu que l'ouïe trouble l'âme lorsque un enfant entend de la part de son père ou de sa mère, champion de Dieu? Comment tu vas, mon grand? Comment tu vas, ma championne, ma princesse, ma reine? Excellente. Tu es la plus belle princesse du monde. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Et quand tu rentres dans la maison, tu dis, tu sais que je t'aime toi. L'oreille entend le son. Lui dit, ah, que veux-tu que lui fasse quand tu as dit à un enfant, tu sais que je t'aime? Lui ne peut rien faire. Lui dit, ah, je n'ai rien à mettre sous la dent, je n'ai rien à mettre sous la dent. Parce que ça, c'est une information qu'on ne peut pas déformer. Le message est clair. Je t'aime, ma fille. Je t'aime, mon fils. Lui, quand on entend ça, lui dit, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. Satan, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'accès. Quand un enfant voit son père et sa mère marcher dans l'amour, dans l'intimité, dans la romance, ou quand un enfant voit son père ou sa mère juste faire un bisou sur la joue, ça va chérie? La vue dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, là, c'est trop bon ça. L'enfant dit, oh c'est beau, moi aussi j'aimerais un jour être marié comme mon père et ma mère. Là, la vue dit, il n'y a rien à mettre sous la dent.
Quand l'enfant touche avec la main, tu touches une rose, elle est tellement belle, c'est une rose rouge. Le toucher dit, là, mais c'est là, il ne peut rien dire, parce que c'est beau à toucher. Quand tu prends la main de ton enfant, et quand tu prends la main de ton enfant, tu marches dans la rue, l'enfant sent la sécurité de papa, la sécurité de maman. Le toucher dit, ah Satan, on n'a rien à se mettre sous la dent là. Il faut, quand, par contre, si la main frappe l'enfant, cogne l'enfant, le toucher dit, colère, 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 amertume, amertume, amertume. Mais quand il n'y a rien, le toucher dit, je n'ai pas d'infos, je ne peux pas détruire l'enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Crucifier la chair, c'est priver les cinq sens de leur capacité de bombarder l'âme avec des expériences, avec des sentiments, des passions et des émotions négatives. Oh, si tu me suis, dis-moi amen. C'est où dans la Bible? Matthieu 5, versets 28 à 29. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, dis avec moi, regarde. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais excuse-moi, c'est valable aussi pour la sœur qui regarde un homme. Il n'y a pas qu'un sens unique, hein? Attention. Bon. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dis-moi amen. Et puis, regarde maintenant le verset 29. Si ton œil droit est pour toi un piège, une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Il dit premièrement, quiconque regarde. Or, on regarde avec quoi? L'œil. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Après, il dit, si ton œil droit par lequel tu as regardé est une occasion de chute, c'est ce que ton œil regarde. Permet à la vue de troubler, de faire sortir des pulsions. Mais dis donc, oh Seigneur, putain, oh la maman, la. Si ce que ton œil a vu permet à la vue, au sens de troubler, d'agiter ton âme, couple. Il n'a pas dit, prends le couteau, dis d'accord. À partir d'aujourd'hui, tu ne mourras pas Satan. Donnez-moi le couteau. Je mets dans l'œil. Ah, sors d'ici. Non, il n'a pas dit ça. Dis à quelqu'un, couple. Tu vois, la manière dont il te dit couple là, ça prouve qu'il n'a pas envie de couper. Dis à quelqu'un, couple. Je te dis que crucifier la chair, c'est une mesure radicale pour les violents. Ce n'est pas pour les doudous là qui veulent. Non, c'est pour les gens qui veulent prendre le royaume avec violence. Parce que couper, c'est virulent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne la regarde plus. Cesse de la regarder. Si le fait de regarder trouble ton âme, arrête de la regarder. Tu es fiancé, vous n'êtes pas marié. Vous fréquentez. Tu vois la sœur arriver avec un bustier là, où on voit le bord des trucs là, tu vois les. Hein? Et le frère, pendant qu'il voit la sœur, bonjour sœur en Christ, bonjour frère en Christ, ça va? Oh oui, ça va. Et puis dès qu'il laisse ses yeux tombe dessus là, il dit Seigneur Jésus. À l'intérieur de lui, il est en train de prier. La sœur dit frère, on va à la plage? Oui, allons à la plage. Allons-y. Hey, maman Nangaye, sauve-moi. Le gars est déjà en train de soupirer. Et puis de temps en temps, pendant qu'il est en train de marcher, il promène un regard. Mon frère, ce n'est pas le temps de prier en langue, c'est le temps de couper. Dis-moi amen. Leke baba, quoi? Il n'y a pas de leke baba. L'homme
visuelle. La femme est auditive. Crucifier la chair, c'est quoi? C'est dire, c'est faire comme moi et le pasteur Yves. Tu es radical, tu es violent. Maman, ma soeur, ta poitrine, quand j'ai compté à trois, si tu ne m'as pas caché ça, tout, jusque là-haut, mon père disait, je vais te mettre un coup de pied dans le postérieur. Moi, ça, c'est, non, ça, c'est pas moi, c'est mon père. Moi, je ne sais pas où mon coup de pied va atterrir. Je ne sais pas si c'est la porte qui va venir sur ton nez. Mais je te dis, s'il y a trois, tu n'as pas caché tout ça, je deviens désagréable. C'est-à-dire que je perds mon... Je suis quelqu'un de bon, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est comme si une colère commençait à monter en moi. Ah. Demande ici à mes pasteurs, là, ceux qui font ça avec moi, je les terrorise. Tu ne feras pas ça deux fois. Non, pas deux. Non, la première c'était un accident. La deuxième fois, parce que la manière dont je vais te parler, tu ne referas pas ça. Tu ne referas pas. Tu ne referas pas. Une est venue de mon bureau. Hein? Bonjour pasteur. Et puis elle avait son voyage au bout de 100 ans là. Il dit, hein? Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Non pasteur. J'ai dit, monte-moi ton buste. Monte-moi ton haut. J'ai dit, bon. J'ai dit, tu sais, tu es quelqu'un que j'apprécie. L'estime que je te portais vient de disparaître. Sors de mon bureau. Non pasteur, excusez-moi. J'ai dit, dégage. Dégage. Ton corps, c'est pour ton mari. Dégage. Pasteur, j'ai dit, sors d'ici. Ouais, ouais. Demande à ma femme, je ne pleure pas avec ça. Tu sais, je vais te dire la différence entre ceux qui tombent et ceux qui restent debout. La différence, ce n'est pas que ceux qui sont debout sont plus forts. C'est juste qu'ils sont plus sages et obéissants. Je n'ai pas confiance en la vue. Je ne laisse pas mes yeux regarder n'importe quoi. Je ne laisse pas mes oreilles entendre n'importe quoi. Quand tu reçois une soeur en entretien et que la soeur te dit, « Pasteur, cet homme, quand même, il m'a emmené dans sa chambre. Il m'a serré contre le mur. Il m'a balancé. Il a soulevé la cuisse gauche. Et quand il a soulevé la cuisse, il est stop, 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 stop. Sans effet, je brise, j'anéantis, je crache, je deviens néant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je... Dis-moi amen. Quand c'est comme ça, je dis, maman, arrête l'histoire là. Bébé, appelle ma femme. Bébé, viens, continue avec elle. Ciao, ciao, bye bye. Qui est fou? Qui est fou? Qui est fou? Mais toi, je vais te dire pourquoi tu tombes. C'est parce que tu vois la chose et tu commences à prier. Tu dis, oh Seigneur, fortifie-moi. Au lieu de dire à la sœur, couvre-toi, tu veux qu'on se marie, prends soin de toi, couvre-toi. Pour l'instant, on n'est pas marié, ton corps ne m'appartient pas encore. Cache-le. Tout de suite. Oh, oui, frère, cache. Et, ah, ça, c'est un radical. Oui. J'ai décidé de vivre l'héritage. Je dois commander à la création. Je dois commander au virus. Je dois commander aux maladies. Je ne veux pas te laisser me disqualifier. Quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, crucifie la chair. Ton erreur, c'est que tu te surestimes. Tu oublies qu'à force de continuer de voir, même si tu crains Dieu, la vue va dire à l'âme, miam, 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 miam. Et quand tu dis à la vue de toi, va dire, miam, 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 miam. Elle est rebelle. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Crucifier la chair, c'est fermer le contact. Et toi ma soeur, les hommes sont visuels, les femmes sont auditives. C'est-à-dire que ce qu'elles entendent, ça les touche. Elles peuvent voir, la femme là, elles peuvent voir, il n'y a rien. Mais quand elle entend, oh, tu as de beaux yeux, tu sais. Oh! Sœur, vous n'êtes même pas mariée encore, hein? Je voudrais que tu sois la mère de mes enfants, que tu les portes. Je te vois en train de porter mes enfants. Je te vois en train de crier un nid. Vraiment? Tu le penses vraiment? Non, mais tu le penses vraiment parce que... Oh, ne me dis pas ça. Quand elle entend, elle est célibataire. Elle est son célibataire. Elle l'a déjà troublée. Regarde ce que Salomon a dit à sa femme. À sa, mais sauf que Salomon, il a dit ça à sa fiancée. Il y a des choses, ma soeur. Ne laisse pas un homme te dire tant que vous n'êtes pas marié. Quand tu fais ça, tu crucifies Louis. Dis-moi amen. Regarde Salomon.
Cantique des Cantiques 4, verset 3 à 5. Regarde sa déclaration. Tes lèvres sont comme un liséré cramoisi et ta bouche est charmante. Derrière ton voile, ta joue est comme une moitié de grenade. Ton cou est pareil à la tour de David, construite pour être un arsenal. 1000 boucliers, ma sœur, ils sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Là, déjà, on a entendu dire, c'est pas fini. Après, il dit, verset 5, tes deux choses là, hein, tes deux, S-E-I-N-S, sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle qui broutent au milieu des lits. Quand la sœur entend ça, elle dit, prends-moi seulement, prends-moi. Crucifier la chair, c'est quand le frère va dans ses délires, tu dis, frère, stop. Ça, tu ne me dis pas ça. C'est interdit de me dire ça. Quand tu dis ça, tu crucifies la chair. Crucifier la chair, c'est lorsque tu sens que quelque chose trouble ton âme. Tu es marié. Quand tu es marié, ne passe pas trop de temps avec une autre femme. À l'écouter, à parler, à converser à longueur de journée. Toi, tu aimes quoi? Oh, moi, j'aime les pétales. Moi, j'aime les roses. Toi, tu aimes quoi? Oh, les haricots. Et toi, le sac à sable. Oh, mais on a les mêmes envies. Tu sais qu'on aime les mêmes choses. Moi aussi, j'aime le sac à... Oh, mais c'est merveilleux. Oh, mais tu sais... Oh, sœur en Christ, vraiment, je suis marié, mais vraiment, vraiment, hein? Ah, vraiment, ah. Tu sais, je vais te dire une chose. Il y a des gens, il y a des gens qui ne trouvent pas ton âme. C'est-à-dire, si tu es un homme, ou vice-versa, il y a des femmes qui ne trouvent pas ton âme. C'est-à-dire, on la met là, même si on te suppliait. Maman, même avec cadeau offrande, je dis non. Même si on te supplie, je t'en supplie frère, touche-la, je dis non, là, sans effet. Parce que ta chair ne connecte pas avec sa chair. Il y a des gens, ce n'est pas ton genre. Dis-moi amen. Tout le monde n'est pas chaussure à ton pied. Il y a des styles qui ne sont pas les tiens. Ça t'a dit, tu sais que même là, je t'assure, même avec une position de main, je ne bougerai pas. Maman, elle peut monter, descendre, aller... C'est pas mon style. Chacun a son style. Rien, c'est pas ton style. Elle peut rester là, tu dis, maman, viens là, viens, assieds-toi là. Elle peut rester jusqu'au téléphone. Il n'y a aucun problème. Mais Anna, tu sais que tu es mariée, mais ce genre de profil est quand même le genre de profil, sois honnête, qui ne te rend pas indifférent. Si tu n'étais pas marié avec ta femme, tu aurais pu épouser ce genre de profil. Tu aurais pu. Sois honnête. Parce que tout se passe à l'intérieur. Ce genre de personne-là, ne t'assieds pas. Parce que ton âme est déjà... Dès lors que ta chair n'est pas indifférente, ne laisse pas ton esprit, ton âme plutôt, connectée à son âme. Qu'est-ce qui fait que l'âme va connecter? C'est le fait de parler, le fait de converser, le fait de toujours parler, le fait d'écouter. Il y a des gens, quand tu sens que dans sa présence, tu te dis, ah vraiment Seigneur, fortifie-moi. Ah, il fortifie. La Bible dit, crucifie la chair, ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, quand la personne t'appelle, ne décroche pas. Ou quand elle t'appelle, oui, il y a un besoin. Oui, je voudrais juste, comment tu vas? Non, juste, c'est quoi le point? Va là, l'essentiel. Évite de passer du temps à converser. Évite de passer du temps à rester. Crucifier la chair, c'est éloigne-toi de la personne. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Ça, c'est la sagesse. Éloigne-toi. Mais toi, tu es là. Oh, ma soeur, ça va? Oh, vraiment. À part ça, on dit quoi? Non, on dit quoi? À part ça. Oh, mais tu sais. Non! Tu vas tomber dans un piège. Parce que ton nuit va utiliser ce qu'elle dit. Ou ce qu'il dit. Ta vue va utiliser ce que les yeux regardent. Et puis dire à ton âme, maman Nangai, mais pourquoi je me suis marié? La vue et lui vont envoyer des informations.
Et si en plus, tu oses toucher la sœur. Oh, ma sœur, je suis déjà mariée, mais vraiment, c'est juste pour te prendre la main, rien d'autre, juste pour te prendre la main. Dès que tu vas prendre la main, les hormones qui sont dans le toucher vont faire... Voilà comment un homme devient pris au piège. Et il se retrouve en train d'être bombardé, accablé dans son âme. Et il fait, et là, l'âme commence à faire des équations mathématiques et arrive à égal à... Je suis amoureux. Dis à quelqu'un, toi là, crucifie-moi la chaîne. Crucifie-la. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les gens qui tombent, les gens qui restent debout ne sont pas plus forts, ils sont plus sages. Ton erreur, c'est que quand Dieu te dit de crucifier la chair, toi tu es là. On va gérer, on va gérer, on va gérer. Ça va aller. Aïe, aïe. Oh. Ne regarde pas, ne touche pas, n'entends pas. Réduit les fréquences. Jusqu'à quand? Sèvre la relation. Il y a des relations dont tu dois te détacher. Et quand tu vas te détacher, tu vas sentir que ta chair n'est pas contente. Lui va dire, j'ai encore envie d'entendre sa voix. La vie va dire, laisse-moi encore juste le voir. Oui, mais tu veux voir pourquoi? Il n'y a pas de raison particulière. Juste le regarder. C'est parce que la vue a envie d'envoyer des informations appelées impudicité à ton âme. Le toucher va dire, laisse-moi juste toucher. Oh main, touche-le, j'ai juste envie de ressentir quelque chose. Et crucifier la chair, c'est dire non, tu ne toucheras pas, tu n'écouteras pas. Quand tu sens qu'une personne te trouble, prends de la distance. Jusqu'à quand? Au début, ça va te manquer. La personne va te manquer. Tu vas avoir mal. L'âme va sentir une douleur. Tu résistes. Et tu vas sentir qu'à un moment donné, tu t'es habitué à la distance, que le fait de ne plus l'avoir au téléphone, le fait de ne plus l'avoir physiquement, le fait de ne plus l'écouter, ça ne te manque plus. Ça veut dire que tu es sevré et que tu l'as, tu es guéri. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dis à quelqu'un, maintenant, je crucifie ma chair. Mais là, je n'ai donné que l'exemple de l'impudicité. Mais tu dois crucifier la chair dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Lorsque tu es habitué aux calomnies, crucifier la chair, ça veut dire les personnes qui aiment les calomnies. Parce que ces gens-là, quand quelqu'un aime les calomnies, tu vas toujours attirer, te sentir attiré par les calomniateurs. Tu es au courant? Tu es au courant? Tu es au courant? Mais le temps, il y a une histoire, il y a une nouvelle histoire. Ah, c'est vrai? Oh, laisse-moi le dire. Hé, Elisabeth, tu es au courant? Non. Ah! Suzy, tu es au courant? Ah! Crucifier la chair, ça veut dire les personnes avec qui tu es habitué à créer le cercle des commérages de l'église. Le comité de commérage. Ces personnes-là, tu prends leur téléphone, tu coupes. Tu supprimes. Tu vas dire ne m'appelez plus. Quand tu vas dire ça, ça va te manquer parce que, je vais te dire pourquoi, parce que ton âme a été habituée aux calomnies. Et quand tu veux délivrer ton âme de ce à quoi elle était habituée, l'âme va dire non, laisse-moi ça. Je suis déjà habitué. Tu dis non, coupe le téléphone. Au début, ça va te manquer. Et si tu persistes, à un moment donné, ça ne te manquera plus. Ça veut dire que ton âme est libérée. Dis avec moi, crucifions la chair. Oui, il y a beaucoup d'exemples dans lesquels on peut crucifier la chair. Il y a des personnes qui sont attachées au matérialisme, au luxe et tout cela. Sans ça, tu ne peux pas vivre. Crucifier la chair, c'est prendre certains de tes bijoux. Donne-les, offre-les. Tu te sépares de ce qui pour toi est une occasion de chute. Crucifier la chair, c'est les statues, les choses, les objets, ces objets de superstition. Tu les jettes. Tu dis, je marche par la foi, par l'esprit, et non par la vue. Je n'ai pas besoin de ces objets. Crucifier la chair, c'est lorsque tu étais habitué aux calomnies, lorsque tu étais, pardon, habitué aux querelles, aux disputes.
Dès qu'il y a une dispute, tu vas mettre ta tête dedans. Ah, de quoi on parle? Non. Crucifier la chair, c'est renoncer à avoir raison. Et quand tu vois qu'il y a des disputes, continue ta route. Dis à quelqu'un, crucifie la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Crucifier la chair, quand tu as des problèmes de jalousie, tu as un filtre, un moule de jalousie, c'est réjouir avec ceux qui se réjouissent. Tu vas prendre une bonne nouvelle pour quelqu'un, appelle la personne et dis-lui, je suis content pour toi, vraiment gloire à Dieu. Je veux juste rendre grâce à Dieu. Quand tu vas dire ça, là, tu sens que ton âme ne va pas aimer ça. Je vais l'appeler. Mais c'est elle qui m'a pris le mari, non? Appelle-la, félicite-la. Tu vas l'appeler au début. Sœur Elisa. Je voulais te dire que Dieu... Dis-le. Dis-le. Dis-moi amen. Et donc je te dis, est-ce que je peux continuer encore? J'ai bientôt fini, mais est-ce que je peux continuer? Et donc quand tu vas vouloir crucifier ta chair, ton âme ne va pas aimer ça. C'est pour ça que en même temps que tu crucifies la chair, tu prives les cinq sens de ce qui leur donne de la force. En même temps, il faut que tu apprennes à discipliner ton âme. Dis à quelqu'un, discipline ton âme. Jacques chapitre 1, versets 21 à 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver, ou encore qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Dis-moi amen. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et cette parole de Dieu a le pouvoir de sauver vos âmes. Donc l'âme n'est pas encore sauvée. Quand à la nouvelle naissance, l'âme n'est pas sauvée, l'âme doit être sauvée. Et comment sera-t-elle sauvée? Par la parole. C'est pour ça qu'au verset 2, au verset 22, il dit, mettez en pratique la parole. Ou encore, la version parole vivante dit, traduisez-la en acte et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Comment fait-on pour restaurer son âme? Pardon, pour discipliner l'âme. Discipliner l'âme. Comment fait-on pour discipliner son âme? C'est simple. On se pose la question, quelle est la loi ou la parole de Dieu à laquelle je dois obéir? Parce que c'est la parole qui rééduque l'âme. Maintenant, quand j'ai dit ça, je sais que tu n'as pas encore tout compris. On va avancer. Il y a trois choses que tu dois savoir si tu veux que ton âme soit restaurée. Trois choses. Premièrement, c'est que ton esprit, si tu es né de nouveau, l'esprit, l'homme intérieur est bien disposé. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé. Quand tu es né de nouveau, ton esprit veut obéir à la parole de Dieu. Ton esprit, l'homme intérieur, il veut aimer les gens. Ton esprit veut, parce qu'il est né de nouveau. Il a la semence de Dieu en lui. Dis-moi amen. Non, j'ai pas entendu. Ton esprit est né de nouveau. Il a la semence de Dieu. Il a la parole de Dieu. Il est participant de la nature de Dieu. Ça veut dire qu'il a la même nature que Dieu. Ce que Dieu aime, ton esprit l'aime. Donc, ton esprit aime aimer. Ton esprit aime pardonner. Ton esprit aime donner. Ton esprit aime semer. Ton esprit sème. Ton esprit aime honorer. Ton esprit aime pardonner. Ton esprit aime adorer. L'esprit aime tout ce que Dieu aime. Donc, le premier point, tu dois savoir, c'est que ton esprit est bien disposé et il veut obéir à la loi de Dieu. Si tu comprends, dis-moi un bon amen. Amen. J'ai tellement de rester accroché, je vais bientôt atterrir. Mais il faut que j'arrive à développer. Donc, reste encore avec moi, s'il te plaît. Dis-moi amen. Amen. Ton esprit, dis à quelqu'un, ton esprit veut obéir. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que ta chair ne peut pas obéir. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. La Bible a dit, on a vu dans Romains 8, elle dit, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle est inimitié contre Dieu.
La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, la chair ne peut pas obéir. C'est parce qu'elle ne peut pas qu'elle est irrécupérable et qu'elle n'est bonne qu'à être crucifiée. Je te dis, tu ne peux pas la rééduquer. Tu ne peux que la crucifier. Si tu me suis dit amen. Donc, ton esprit veut. Ta chair ne peut pas. Et ton âme, c'est le troisième mot, ton âme ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu lorsqu'elle n'y a pas été habituée. Dis-moi amen. L'esprit veut, la chair ne peut pas, l'âme ne veut pas. Mais ce n'est pas définitif. En fait, dans l'âme, il y a l'éducation. L'âme ne veut pas, l'âme n'aime pas, l'âme ne sent pas, l'âme n'affectionne pas, l'âme ne prend pas plaisir aux choses qui ne font pas partie de son éducation, c'est-à-dire aux choses auxquelles elle n'a pas été habituée. L'âme est amorale, l'âme ne juge pas. L'âme, c'est le volant. Le volant, lui, il n'a pas, lui, il ne choisit pas. Le volant, il se laisse conduire. Tout dépend de qui met la main sur lui. Si c'est l'esprit, il dit gloire à Dieu. Si c'est la chair, il dit gloire à Satan. Donc, l'esprit veut. Ça, c'est toi, l'homme intérieur. Ta chair ne peut pas. Ton âme ne veut pas. Mais quand ton âme ne veut pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas. Ça veut juste dire qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas habitué ton âme. Si tu me suis, dit, moi amen là. Qu'est-ce que c'est de te dire? Écoute-moi. L'âme n'aime pas prier quand elle n'a pas été habituée à prier. Je me suis rendu compte, la partie du culte la plus agréable pour la plupart d'entre nous, c'est la louange et l'adoration. Si c'est vrai, tu peux dire amen. Tu as dit, non, moi c'est la parole. Oui, arrête ça. La louange et l'adoration, c'est l'occasion où tu aimes chauffer, chauffer, chauffer. Yeah, yeah, yeah. Non, ne mets pas ça, ne me suis pas dedans. Pourquoi les gens aiment la louange et l'adoration? C'est parce que depuis l'enfance, même sans être converti, tout le monde a été bercé dans la musique. La musique dynamique. Ou à l'époque, il y en a qui aiment l'adoration parce que l'adoration les rappelle les slow. Moi, malade. Moi, malade quoi? Ça veut dire je suis malade. Tu sais ce que ça veut dire? Donc, ce n'est pas difficile de faire aimer aux gens la louange. Parce qu'en fait, ils aiment, leur âme aime déjà. C'est juste les paroles qui ont changé. Oh, si tu me suis dit, moi, amen. C'est juste les paroles qui ont changé. D'ailleurs, la plupart des gens, ils louent, ils n'écoutent même pas les paroles. La plupart des gens, quand ils louent, ils n'écoutent pas les paroles. Ce qui compte pour eux, c'est le rythme. Même s'il y a une voix qui se glisse dedans là, tu es Satan, oh, machin, il s'en fout, il ne fait pas attention. Louez, 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 louez. Tout ce qu'il veut, c'est. Là, ça lui rappelle la nostalgie du passé. Là, l'âme, son âme aime parce que son âme a été habituée. Mais quand ton âme n'a pas été habituée à prier, par exemple, depuis ton enfance, tu vas sentir que ton âme n'aime pas. C'est là que prier devient un boulet, un fardeau. Faut y aller, hein? Alléluia. Bon, faut y aller, hein? Écoutez. Parce que ton âme n'a pas été habituée à prier. Quand ton âme n'a pas été habituée à donner, tu n'aimes pas donner. C'est pour ça que dès qu'on dit offrande, oh, on a déjà fini l'adoration, là. Oh. Et puis, il y en a qui disent, oh non, non, le pasteur a fait un appel spécial pour une offrande, là, mais moi, je ne sens pas ça. C'est pas que tu ne sens pas. La vérité, c'est que tu n'aimes pas. Parce qu'en fait, tu n'as pas été habitué depuis ton enfance à donner. Voilà pourquoi j'ai compris une sagesse. J'ai dit à mes enfants, rappelez-moi chaque samedi de vous donner de l'argent. Parce qu'il faut que vous appreniez vous-même à venir, même si c'est une pièce, à venir déposer une pièce
dans le panier, dans la corbeille. Il faut apprendre à un enfant à donner, afin que quand il sera grand, il ne se détourne pas de cette habitude de donner. Parce qu'il faut qu'il prenne l'habitude, quand il est enfant, de donner. Parce que celui qui ne donne pas, ne peut pas recevoir. Et celui qui donne peu, moissonnera peu. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle. Celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui donne beaucoup, récolte beaucoup. C'est pour ça que dans les églises, on est mal à l'aise. On dit offrande spéciale, 1 million. Oh, il avait prêché un bon message. Il vient de bousiller le message. Oh, on était bien parti là, Il y avait l'onction là. Il a tué l'onction. Non, il n'a pas tué l'onction. Il a fait ce que ton âme n'aime pas. Et on était tous comme ça. On ne veut pas donner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Avant d'arriver à l'église, quand tu le vois en route là, il marche doucement. Et il sait que la louange a commencé. Il sait que l'adoration a commencé. Mais il marche en reculant. Deux pas en arrière, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas. Pourquoi? Je laisse d'abord passer la louange, l'adoration, les offrandes. Je sais qu'ils vont faire les offrandes. Donc je vais arriver juste après les offrandes. Oh, je suis en retard. Je suis désolé. J'ai pas vu le temps passer vraiment, pasteur. Mais quand tu es arrivé en retard? Non, j'ai pas fait exprès. C'est le taxi, c'est tout ça. Mais quand c'est le boulot le lundi matin, le mardi, le mercredi, il est toujours à l'heure, comme par hasard. Dis à quelqu'un, discipline ton âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'âme n'aime pas. Parce que dans l'âme, il y a des habitudes. Ce à quoi on n'a pas été habitué, on n'aime pas. Quand tu n'as pas été habitué à respecter les gens, et qu'un jour il faut les respecter, c'est dur. Mais quand depuis l'enfance, on t'a appris à dire, même la domestique, tu dis, maman un tel, papa un tel, maman un tel, papa, maman. Quand tu as appris ça, ça devient naturel. Tu arrives dans l'église, c'est naturel de respecter. Mais quand tu n'as pas appris à respecter les gens, tu arrives dans l'église, tu dis, oh là-bas, c'est le cul de la personnalité. On demande de respecter. Ah non, moi c'est pas un dieu, hein, ce n'est qu'un homme. Non, on dit juste de le respecter. Ah non, mais pourquoi? C'est pas là. Le problème, c'est que tu n'aimes pas. Parce que tu n'as pas été habitué. Ton âme a du mal, mais tu n'avoues pas que tu as du mal. Mais en fait, tu as du mal parce que tu ne sais pas comment on fait. L'âme n'aime pas aimer quand elle n'a pas appris à aimer. L'âme n'aime pas pardonner quand elle n'a pas appris à pardonner. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, moi je ne pardonne pas. Mais en fait, elle aimerait. Mais en fait, elle n'a pas été habituée. Elle ne sait même pas comment on commence. Elle n'aime pas donner. Et dans les églises, pour que les gens donnent aujourd'hui, si je dis aujourd'hui, pour boucler ce séminaire, il a coûté beaucoup d'argent, tu sais. Beaucoup. J'ai dit, alors, il nous faut 30 millions. 500 000, mais tu ne veux pas combien? 60 personnes. Qui se lève? Qui se lève? Silence total. Si je disais, qui se lève pour danser? Hey! Chauffez, chauffez, mets la musique. Qui se lève pour donner? Tu vas voir. Non, mais pour donner comme ça, c'est pas évident. Mes stream, dignes-tu, agneau de Dieu? Dignes-tu? Vas-y, vas-y, montre. Parce que si tu me prends à froid, je suis... C'est pas bon. Il faut me conditionner d'abord. L'âme aime la mélodie. Oh, le pasteur est obligé de dire, levant les mains, adorons, offrande spéciale. Oh, c'est bon, ça bon. Ça continue encore, ça fait du bien là. Oh, offrande spéciale. Je sens maintenant le Dieu. Oh, le Saint-Esprit. Ouh, le Saint-Esprit était là depuis tout à l'heure. La différence, c'est qu'il faut te conditionner, mettre une atmosphère, parce que tu aimes sentir les choses dans ton âme. Parce que tu as du mal, tu n'as pas éduqué ton âme. Alors, tu as besoin qu'on t'aide, qu'on te porte. Tu aimes sentir. Ah, oh, qui veut donner 1 million? Oh, moi, moi.
quatre, même deux. Ouh, Jésus. Jésus. Tout ça, juste pour t'amener à donner. Les pasteurs souffrent. Mais la vérité, c'est que si on ne remplit pas le budget, si on sort d'ici déficitaire, c'est l'église qui a des problèmes financiers. Mais ils le savent. Mais personne ne va bouger tant que tu ne stimules pas sa foi. Parce qu'il n'a pas été habitué à faire ça. Et quand il n'a pas été habitué, il n'aime pas. Et quand il n'aime pas, il va dire, je ne le sens pas trop. Je n'ai pas encore la conviction. Il faut que le Seigneur me convainc. Et comme par hasard, c'est une bonne mélodie. Ah là, là, ça va bien, je sens. Oh! Que Dieu suscite une église mature, qui marche par l'esprit et qui se lève, non pas à la mélodie, mais au son de la voix de Dieu et qui dit, garde à vous, j'obéirai. Dis-moi amen! À la fin du culte, juste pour voir si tu sais discipliner ton âme et crucifier ta chair, je vais t'appeler à faire une offrande. Ah, il a perdu le sourire. Regarde ton voisin. Ah non, non, on doit obéir. Mais je sais, ton voisin a préparé une bonne excuse. Juste avant de venir à l'église, il sentait qu'on allait faire un appel. Tu sais ce qu'il a fait? Il a laissé l'argent. Il dit, oh, c'est dommage, je n'ai rien. Je suis innocent. Là, Dieu te dit, dimanche prochain, amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. L'erreur que les gens commettent avec leur âme, c'est qu'ils veulent. L'âme, c'est les émotions, c'est les sentiments. Ils aiment sentir d'abord avant d'obéir. Quand on dit pardonne, je ne sens pas encore. On dit aime, je ne sens pas encore que je dois aimer. On dit, Dieu a dit aime. Comment tu fais pour aimer? Trois choses. Dis du bien de ceux qui disent du mal de toi. Ça veut dire bénis ceux qui te maudissent. Deux, fais du bien à ceux qui te font du mal. Tu n'as pas besoin de sentir. Va acheter un cadeau à la personne qui te fait du mal. Achète un cadeau. Donne-lui le cadeau. Ah, elle me déteste, elle me fait du mal. Justement, fais-le. Aime-la. Trois, prie pour ceux qui te persécutent. Elle lève la voix. Dis, Seigneur, je demande pardon. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle m'a fait du mal, mais elle ne sait pas. Pardonne sa folie et compassion. Ta volonté pour elle, c'est qu'elle parvienne à la connaissance de la vérité et qu'elle soit sauvée. Ta volonté, ce n'est pas sa destruction. Et compassion. Pardonne cette folie. Pardonne cet agissement. Pardonne. Dis-le. Ton âme n'a pas envie. Et tu le fais. Beaucoup ne le font pas parce que... Je vais te dire une chose. Est-ce que je peux continuer encore? Tu vois, l'âme, quand il faut la discipliner ou la rééduquer, l'âme va se comporter toujours comme un enfant capricieux à qui tu essaies de donner un médicament amer. Tu as vu quand tu essaies de donner un médicament à un enfant, un médicament qui est amer? Hier, tu l'as eu par surprise. Il a fait la photographie du flacon. Demain, donc aujourd'hui, tu viens avec le même. Dès que l'enfant voit le médicament, dès qu'il voit que tu approches le truc de la bouche, il commence à s'agiter, à palpiter, à s'agiter, à remuer, il commence à pleurer. Vrai ou faux? L'âme fait pareil. Quand tu dois faire quelque chose que Dieu te demande de faire, honore, respecte, aime, donne, pardonne, tu vas sentir des fois, tu as des angoisses, tu as des sueurs froides, tu as des palpitations, tu te sens mal à l'aise. C'est que là, l'âme fait comme l'enfant capricieux.
Mais quand c'est l'enfant, qu'est-ce que tu fais? Si tu as des enfants et que l'enfant est malade, tu veux le voir aller mieux, tu sais ce que tu fais? Tu prends un bras, tu écartes. Tu prends le deuxième bras, tu écartes. Tu prends son pied, tu coince. Et tu prends sa bouche, tu ouvres. Tu dis, mon enfant, ce médicament va te sauver. Tu vas l'avaler. L'enfant fait, il dit, tu vas avaler. Cuillère, mets dedans. Il dit, tu vas avaler. Tu vas avaler. Et quand l'enfant avale, il fait, il pleure encore. Mais demain, il te dit, ça va mieux, maman, ça va mieux. Dis-moi, amen. L'âme, c'est pareil. Quand il faut obéir à Dieu, quand elle n'a pas été habituée, elle n'aime pas. Mais à force de faire, 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 elle va finir par aimer ce qu'elle n'aimait pas hier. Refuser d'obéir parce que tu sens des palpitations, parce que tu sens des angoisses, c'est comme refuser de faire avaler les médicaments à l'enfant. Tu le laisseras malade. Refuser d'obéir à une parole que Dieu te donne. Quand il dit, sépare-toi, tu vas sentir des palpitations. Non, si je ne sais pas, il va faire quoi? Il va mal. Si je... Sépare-toi. Coupe ce numéro et supprime le témoin. Supprime ce numéro. Ne décroche plus. Vraiment. Oh, Seigneur, je vais juste décrocher une fois. Je dis non. Coupe les contacts. Cet homme, Satan passe par lui pour te détruire. Coupe. Tu sentiras qu'à un moment donné, à force de laisser le temps passer, de garder la distance, finalement, ça va. Ton âme s'est habituée. Elle a avalé le comprimé de la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Lis à quelqu'un, discipline ton âme. Et avec moi, c'est possible. Nous que tu vois ici, on a appris ce qu'on est en train de t'enseigner. Et ça marche. Voilà comment ce que tu n'aimais pas. Tu n'aimais pas la parole de Dieu. Tu n'aimais pas donner. Maintenant, j'aime donner. J'ai appris la générosité. Au début, je n'aimais pas. J'arrivais comme tout le monde après les offrandes. Mais j'ai découvert que Dieu ne va pas t'arroser financièrement s'il ne t'apprend pas à semer. Tu dois apprendre à planter avant de moissonner. Dis-moi amen. Dis encore avec moi, discipline. Dis à quelqu'un, discipline ton âme. Dis avec moi, aide-moi Seigneur à discipliner mon âme. Deux clés. Crucifier la chair. Quand tu sens que toi, tu es quelqu'un qui aime les titres, qui aime les positions. Parce que dans ton enfance, tu aimais ça. Quand tu n'as pas de titre, tu n'aimes pas travailler. Tu aimes te faire voir. C'est la chair qui a bombardé l'âme. Il y a beaucoup de gens qui, s'ils n'ont pas le titre, ils ne travaillent pas. Il faut qu'on me reconnaisse. Crucifier la chair, ça veut dire pour toi, demander à ce qu'on t'enlève ton titre. Je continue de servir, je vais le faire sans titre. Et quand tu aimes être assis devant, et que quand tu n'es pas devant, tu ne te sens pas bien. Mais ma place est devant, non? Crucifier la chair, c'est dire, je vais m'asseoir derrière. Et tu vas apprendre à apprécier le culte de derrière, sans honneur, sans considération, sans égard, dans l'anonymat, dans l'indifférence. Au début, tu vas avoir mal, parce que tu n'es pas habitué à ça. Parce que mon âme aime devant, mon âme aime les honneurs. Jusqu'au jour où tu réalises que de derrière, on apprécie la présence de Dieu, et que tu prennes plaisir à être derrière. Ce jour-là, tu seras prêt à revenir devant. Alors, je vais finir avec un cas pratique. Donnez-moi encore un quart d'heure. C'est simple. Mûrir, c'est quand tu atteins la dimension où tu es capable de crucifier ta chair, de discipliner ton âme. Discipliner son âme, ça veut dire obéir aux lois du royaume. Que tu le sentes, tu ne le sentes pas. Obéir. Vous, peut-être ici, ce n'est pas comme ça. Mais nous, en France,
La plupart des gens mettent le carburant eux-mêmes. Ici, vous avez des gens qui servent. Mais en France, on met le carburant soi-même. Il n'y a pas de gens qui te servent à la pompe. Et le Seigneur Jésus m'a demandé un jour, est-ce que tu aimes l'odeur de l'essence? J'ai dit non. Mais pourtant, tu vas mettre le carburant tous les jours quand même, toutes les semaines à la pompe. Tu n'aimes pas sentir l'odeur, mais tu fais quand même tu mets quand même le carburant. Donc, tu peux faire ce que tu n'aimes pas. Apprends à faire sans sentir. La clé pour manifester la vie de l'héritage, c'est laisser le Saint-Esprit te conduire. Quand le Saint-Esprit te conduit, il va toujours te donner une parole, une loi que tu devras respecter. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis avec moi, j'ai un héritage. Dis avec moi, je serai la tête et pas la queue. En haut et pas en bas. La question, c'est comment fait-on pour manifester cet héritage? Pourquoi la plupart des enfants de Dieu ne sont pas la tête? Pourquoi ils en ont la queue? Pourquoi on n'occupe pas les positions d'influence? Parce que quand tu occupes les positions d'influence, c'est toi qui édictes les standards, les règles. Tu ne subis plus, tu décides. Et c'est important de décider parce que la nature a horreur du vide. Si tu ne décides pas, les gens vont décider des choses qui vont te déplaire demain. Voilà pourquoi Dieu dit, vous serez la tête et pas la queue. Ce n'est pas pour dire, non, je suis la tête, non. C'est pour que vous puissiez injecter, véhiculer d'autres valeurs, qui sont les valeurs du royaume. Dis-moi Amen. Mais pour t'élever, Dieu a une loi qui te demande de respecter. On en a parlé un peu, le pasteur vous en a parlé, la loi de la fidélité. Premièrement, il faut comprendre une chose, que dans la Bible, la parole de Dieu et dans la pensée de Dieu, suis-moi, je t'emmène quelque part, reste connecté, dis-moi Amen. Dans la loi de Dieu, ceux qui voient leurs ressources, leurs attributs, leurs privilèges, ce qu'on leur a confié, ceux qui voient l'augmentation de ce qu'on leur a confié, sont toujours dans la parole de Dieu, ceux qui prennent soin de ce qu'on leur a confié. Jésus le dit en ces termes dans Matthieu 25, la parabole des talents. Il dit, car, Matthieu 25, verset 29, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dis-moi Amen. Donc, ceux qui voient leurs ressources augmenter, ce ne sont pas ceux qui prient, ceux qui jeûnent, mais ce sont ceux qui prennent soin. Ceux qui voient ce qui leur a été confié augmenter, ce sont ceux qui prennent soin. Tu vas comprendre, ça tu connais, mais tu vas comprendre où je vais te mener. Ce sont ceux qui prennent soin de ce qui leur a été confié. Autrement dit, une église ne grandit pas par hasard. Une église ne grandit pas seulement parce qu'elle prie. Une église grandit, une organisation grandit lorsqu'elle prend soin des gens qui leur sont confiés. C'est en prenant soin du peu qu'on a reçu qu'on en reçoit toujours plus. Ceux qui reçoivent plus que ce qu'ils avaient au départ, ce sont ceux qui prennent soin. Les entreprises ne grandissent pas par hasard. Les entreprises qui grandissent et qui prospèrent, ce ne sont pas les entreprises dirigées par des chrétiens. Ce sont des entreprises qui prennent soin du peu de clients qu'ils avaient. Et le nombre de clients finit toujours par augmenter. Elles prennent soin des salariés en leur donnant des mutuelles, des bonus, des accès aux soins, etc. Tout ça, des bons salaires. Ceux qui le font, qui prennent soin de leurs salariés, voient toujours leurs salariés augmenter et ils voient les meilleurs venir à eux. Est-ce que quelqu'un me suit? On aime aller dans les pays qui prennent soin de leurs citoyens. C'est pour ça que lorsqu'il faut émigrer, les gens choisissent la France.
les gens choisissent les pays où on sait qu'on prend soin des gens. Si tu es en France, il y a le système de sécurité sociale, l'assurance maladie, l'assurance chômage, non. L'assurance chômage, etc. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus tu prends soin, plus les gens affluent. Si tu me comprends, dis-moi amen. Donc, autrement dit, rien ne grandit par hasard. Les choses, les finances ne grandissent pas par la prière. Les finances grandissent par la capacité à prendre soin du peu que tu reçois. Quand dans le peu que tu reçois, que tu es né de nouveau, tu enlèves les 10%. C'est la dîme. Tu es en train de montrer que tu sais prendre soin du peu que tu as. Tu es en train de montrer qu'avec peu, tu sais être rigoureux, fidèle. Dis-moi amen. Une organisation, une église peut prier, prier, jeûner, prier. Mais si quand les gens viennent, elle n'en prend pas soin, les gens repartiront. La clé pour voir augmenter ce qui t'a été confié, c'est prendre soin du peu que tu as reçu. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas la quantité que tu as reçue, c'est la qualité du soin que tu mets dans ce que tu as reçu qui détermine l'augmentation. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et cette capacité à prendre soin, on l'a déjà dit à l'église, mais comme tout le monde n'est pas de l'église, je rappelle ces choses-là. Cette capacité à prendre soin dans la Bible, ça s'appelle la fidélité. Dis avec moi la fidélité. Dis avec moi la fidélité. La fidélité, le mot fidèle dans la Bible ne s'applique pas. On a confondu la fidélité et la loyauté. Le mot fidélité ou fidèle dans la Bible ne s'applique pas à celui qui est là tout le temps, mais ça s'applique à celui qui prend soin de ce qu'on lui a donné. Dans la parabole du semeur, pardon, la parabole du talent, Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit, « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. » Tu as été fidèle en peu de choses, pourquoi? Parce qu'il avait reçu 5 talents, il en a produit 5 autres. L'autre avait reçu 2 talents, il en a produit 2 autres. Donc, il a augmenté, il a pris soin de ce qu'il avait reçu en première instance. Et c'est ça qui lui a valu le titre, le qualificatif de fidèle. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc, le mot fidèle dans la Bible n'a rien à voir avec la solidité. Judas était tout le temps avec Jésus, mais il n'était pas fidèle parce qu'il ne prenait pas soin de la bourse, des finances, puisqu'il volait. Il n'était pas fidèle. Il était présent, c'est ce qu'on appelle la loyauté, mais ce n'est pas la fidélité. Dis-moi amen. Donc, une église de fidèles, on dit les fidèles d'une église, la vérité c'est que les fidèles sont peu nombreux dans une église. Il y en a très peu. Les fidèles d'une église, dans la Bible, ce sont ceux qui prennent soin de leurs frères. Ce ne sont pas ceux qui vont régulièrement à l'église. Ceux qui vont régulièrement à l'église ne sont pas les fidèles, ce sont les loyaux. Quelqu'un me dit amen. Je ne vais pas développer ça parce que vous l'avez déjà écouté. Luc, prenez juste la référence, Luc 16, versets 1 à 2. Normalement, pour asseoir une vérité biblique, il faut 2 ou 3 versets. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai Luc 16, versets 1 à 2, Luc 12, versets 42, Luc 19, versets 12 à 26, et Matthieu 25, versets 14 à 30. Donc dans la Bible, le fidèle a 2 significations. Quelquefois, ça signifie celui qui est né de nouveau, celui qui est croyant, mais la plupart du temps, ça signifie celui qui prend soin, celui qui est diligent, celui qui est soigné, celui qui est appliqué avec ce qu'on lui a confié. Et l'infidèle, à l'inverse, l'infidèle, c'est celui qui gaspille, qui n'est pas soigneux, mais qui est négligent avec ce qu'on lui a confié. Vous le trouvez dans Luc chapitre 16, vous lisez la parabole. Si tu me suis, dis-moi amen. Dis à quelqu'un, sois fidèle. C'est une loi. Ça s'appelle la loi de la fidélité. Jésus dit ceci, Luc chapitre 12, chapitre 6, 16, pardon. Luc 16, verset 12, Jésus dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Jésus veut, c'est la volonté de Dieu, vous serez la tête et pas la queue. Amen. Mais il explique le secret.
pour devenir la tête et pas la queue. Il dit que le secret, c'est la fidélité. Si vous n'avez pas pris soin, vous n'avez pas été soigné, vous n'avez pas pris soin, comme mon bon père, bon mère de famille, de ce qui vous a été confié, qui vous donnera ce qui est à vous? L'expression « ce qui est à vous » ne signifie pas que quelque chose est à vous. Ça signifie le couloir, l'emplacement, l'espace qui vous a été réservé. Parce qu'il y a un couloir que Dieu a préparé pour toi et pour moi. Il y a un territoire, il y a un espace dans lequel tu dois être la tête et pas la queue. Tu dois devenir une personne influente. C'est la volonté de Dieu, afin que quand tu es en haut, tu influences les standards en bas. Si tu me suis, dis-moi amen. Dis-moi amen. Il y a quelqu'un qui soit fidèle. Jésus dit une chose simple. Il dit simple. Tu veux opérer dans ton couloir? Tu veux opérer dans l'espace que Dieu a réservé pour toi et arriver à être la tête et pas la queue? Le Seigneur te dit, prends soin de tout ce qu'on t'a confié. Qu'est-ce qu'on t'a confié? Dieu permettra qu'on te confie des choses. Avant que tu n'aies ce qui est à toi, tu vas toujours permettre que tu travailles pour d'autres personnes. À l'église, on va te confier un travail. On va te confier une tâche. On va te confier des gens. Au travail, on va te confier des tâches. On va te confier des gens. On va te confier des équipes. On va te confier des responsabilités. Et le Seigneur t'observe. Il dit, dans le travail que tu fais, sois soigné. Même lorsque personne ne te regarde, sois soigné. Donne ton cœur. Si tu dois nettoyer, nettoie bien. Jusqu'à ce qu'il n'y ait même pas un grain de poussière. Tout ce que tu fais, fais-le à la perfection. Mets tout ton cœur à l'ouvrage. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la loi de Dieu. Et quand Dieu te dit, sois fidèle, dans le peu qu'on te confie, sois fidèle. Parce que si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, on ne te confiera pas beaucoup de choses. Le peu que tu as, fais-le avec tout ton cœur. Amen. Et quand Dieu te dit ça, Dieu ne te dit pas le pourquoi, mais il a un secret. C'est là maintenant que la chair joue des tours à ton âme. Parce que le problème c'est quoi? C'est que quand on ne te reconnaît pas, on ne te félicite pas, on n'augmente pas ton salaire. Tu as le même salaire depuis 1950. Aucune promotion. Méchant patron. Tu dois finir à 18h. Mais parce que, en plus, le patron, là, au lieu de t'encourager, d'apprécier, des fois, tu as nettoyé. Il n'a même pas fait attention que tu as nettoyé. Et puis, il vient encore se plaindre. C'est sale. Et tu vas encore remettre ton cœur. Il dit, nettoie encore. Tu nettoies encore. Au lieu de te dire merci, il dit, acquitte-la. Et puis demain, t'appelle encore pour nettoyer. On te dit, fais ça. Et puis on te ramasse, on t'engueule. Et tu es là. De toute façon, l'entreprise là, c'est pas mon entreprise. Oh. Comme disent les Ivoiriens, c'est pas ma société. Et ces gens-là sont tellement méchants. Ils ne savent pas prendre. Tu vois, ils ne savent même pas être reconnaissants. Je travaille, on ne m'augmente pas. On ne reconnaît pas mon travail. Et là, parce qu'on ne reconnaît pas ton travail, parce qu'on te parle mal. La chair, lui, l'a vu, voit la feuille de paye, pas d'augmentation. Lui, dit, critique de la part du chef. Et ils envoient à l'âme un message qui dit colère, aigreur, frustration. Quand c'est, si c'est comme ça, je vais garder l'entreprise. Ben moi, ce qu'on me demande de faire, je fais le strict minimum. Dieu te dit, mets ton cœur à l'ouvrage. Il dit, ah non, ces gens-là, Seigneur, toi tu ne connais pas. Tu connais mon patron là, il ne mérite pas. Il ne mérite pas ma considération, mon attention. Il me dit de faire, moi je fais le minimum. Il dit de nettoyer, je nettoie. De toute façon, il ne sait pas remercier les gens. Cette entreprise là, le feu va venir ici là. Dieu va les juger, tu vas voir. Feu du Saint-Esprit, feu, power. Et quand tu vois ton patron te parle mal, tu dis, Dieu va le frapper.
Et quand il faut quitter à 17h, à 17h, toi à 16h30, tu as déjà pris ton paquet, ton sac. Il dit, mais tu n'as pas encore fini, ah, quitte là. Moi, je rentre chez moi. Vous n'avez même pas récompensé les gens, vous êtes des ingrats. Dieu jugera les ingrats. Vous allez voir, le feu de Dieu va tomber, l'entreprise va même couler. C'est pas bien. Oh, on ne sait pas reconnaître les gens ici là. Il n'y a même pas d'appréciation, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas d'augmentation. Et puis quand on augmente, c'est juste 1000 francs. Qu'est-ce que je vais faire? Quitte là. Je vais faire le strict minimum. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand Dieu te dit sois fidèle, Dieu a une raison pour te dire sois fidèle. Ce que tu ne sais pas, quatre choses que tu ne sais pas, quatre vérités, je vais te l'expliquer. Et puis je vais clôturer. La première chose que tu ne sais pas. Point numéro un. Dans la vie, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui t'observe sans que tu ne le saches. Il y a toujours quelqu'un qui t'observe quelque part sans que tu ne le saches. Il y a toujours un Joseph d'Arimathée. Quelqu'un qui n'est pas venu à ton contact, mais qui se manifeste le jour où tu es dans le problème. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui t'observe. David était derrière la bergerie. Il prenait soin des troupeaux de son père. David était une personne, quand il voyait un lion et un ours s'approcher du troupeau pour l'égorger, David bondissait contre le lion, l'ours, et terrassait le lion, l'ours. David pensait que personne ne voyait ce qu'il faisait. Et un jour, il y a eu un conseiller de Saül qui est passé dans le secteur, qui a vu que cet homme était un guerrier. Il y a toujours quelqu'un qui observe ta manière de te comporter dans le travail qu'on t'a confié. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu ne le sais pas toujours, mais il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Comprends ça. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité, il y a toujours quelque part une personne aujourd'hui qui cherche quelqu'un de fidèle. Quelqu'un de soigné, quelqu'un d'appliqué, quelqu'un de diligent. Les gens qui sont soignés, les gens qui sont diligents, les gens qui sont appliqués, les gens qui prennent soin de ce qui n'est pas à eux sont rares. On les cherche toujours. Les gens qui prennent soin, les gens qui sont soignés, on les cherche toujours. Ils sont rares. La Bible dit, Proverbe 20, verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais ça, c'est Salomon qui dit, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens disent, appelle-moi quand tu cherches quelqu'un. Appelle-moi quand tu as un boulot. Appelle-moi si tu as besoin d'une compétence. Appelle-moi. Beaucoup de gens disent, la Bible dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Je suis bon, je suis qualifié, je suis disposé. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, un homme qui est soigné, pas un homme qui est diplômé, pas une personne de diplômé, mais une personne appliquée, soignée. Il y a beaucoup de diplômés, mais il y a peu de gens qui mettent leur cœur à l'ouvrage et qui le font avec excellence, qui le font avec diligence, qui le font de manière rigoureuse, qui le font avec tout leur cœur. Ce genre de personne est rare. Elle ne court pas les rues parce que la fidélité, c'est une attitude. C'est plus qu'un diplôme. Combien de gens n'ont pas de diplôme? Ils sont nombreux à avoir des diplômes, mais des gens qui restent là, qui travaillent, qui sont appliqués, qui ne calculent pas, on ne le paye pas, mais ils continuent, on ne l'encourage pas, mais ils continuent, par motif de conscience envers Dieu, pas pour l'homme, mais pour Dieu. Il est appliqué, on l'injurie, mais il continue. On lui dit c'est mal fait, et il le refait, et il ne se plaint pas, il ne murmure pas, il n'injurie pas, il ne dit pas le feu va tomber sur vous, il continue. Pourquoi? Par motif de conscience envers Dieu, parce qu'il marche par l'Esprit, parce que le Saint-Esprit lui a dit, prends soin du peu qu'on t'a confié. Ce n'est pas ton patron qui est le rémunérateur. C'est moi qui suis le rémunérateur. Prends soin. Oui, mais mon patron ne me reconnaît pas. Ton patron n'a pas à te reconnaître. C'est moi le rémunérateur. Prends soin.
Je sais pourquoi je te dis. Prends soin. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand Dieu dit prends soin, la chair dit mais non, le gars là il ne mérite pas. Sois négligent. Dieu dit non, c'est de l'infidélité. Sois fidèle. Un, il y a toujours quelqu'un qui cherche. Il y a toujours quelqu'un qui te regarde. Deux, sur la terre, aujourd'hui, là où on est. Là où on est, dans tous les domaines. En fait, quand on passe des offres de recrutement, en réalité, on cherche plus que des compétences. On cherche des compétences, c'est vrai, mais on cherche une attitude en plus de la compétence. Certaines personnes n'ont pas forcément la compétence à la perfection, mais quand elles ont l'attitude de prendre soin, tu leur donnes une petite formation. Ce genre de personnes, tu leur donnes une chance parce que tu sais qu'elle, elle met tout son cœur. Elle dépense sans compter. Elle n'est pas là pour dire, moi, mon travail, c'est 7h, 16h. 7h, 16h. Après ça, je ne travaille plus. Non, quand quelqu'un met son cœur, quand quelqu'un met son cœur à l'ouvrage, il ne compte plus. Ce qui compte, c'est la qualité du travail. Il faut que le travail soit bien fait. Je suis appliqué, même si on ne me reconnaît pas, même si on me critique, même si on me calomnie, même si on ne m'augmente pas, je resterai assidu. Vérité 1. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui t'observe. Vérité numéro 2, quelqu'un, aujourd'hui, cherche une personne fidèle. C'est-à-dire une personne qui prend soin. Parce que les gens qui dirigent cherchent des gens sur lesquels ils peuvent se reposer, mais qui vont faire le travail. Avec soin. Dis-moi Amen. Non, dis-moi Amen. Donc, première vérité que tu ne sais pas, c'est que d'abord, quelqu'un t'observe. Deuxième vérité, quelqu'un cherche une personne fidèle. Troisième vérité, tu n'es qu'à quatre personnes de la personne que tu essaies d'atteindre. Quatre, c'est le chiffre de la terre. Ça veut dire que quand tu as besoin de joindre quelqu'un, quand tu as besoin de connecter avec quelqu'un, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. La personne que tu essaies de toucher n'est pas loin. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît. Si tu veux même arriver au chef de l'État, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te remonter au chef de l'État. Tout est possible. Tu n'es qu'à quatre, parce que quatre, c'est le chiffre de la terre. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ah, c'est le troisième point. Tu n'es qu'à quatre personnes dans la personne que tu essaies d'atteindre. Maintenant, le quatrième point, c'est la question. Dis-moi, les personnes qui ont observé ton attitude, qui ont observé ta manière de travailler, qui ont observé, qui t'ont observé, est-ce que tu t'es soigné ou négligé? Qui ont observé comment tu travaillais lorsqu'on te blâmait, lorsqu'on te méprisait, lorsqu'on ne te reconnaissait pas, lorsqu'on ne t'appréciait pas, lorsqu'on ne t'encourageait pas? Les personnes qui ont observé ton attitude, lorsque tout le monde quittait le travail et que tu restais au travail. Les personnes qui ont observé ton attitude. La question est, est-ce que ces personnes vont recommander ton nom à la personne qui cherche un homme ou une femme fidèle? Est-ce que tu me suis? Combien de chrétiens ne se sont pas fermés les portes? Je cherche un plombier. Il vient, il a fait un travail et quand il est parti, le truc encore, il y a une fuite. Il n'a plus le temps pour revenir. Un jour, quelqu'un dira, je cherche un plombier. Est-ce qu'on mentionnera ton nom? Est-ce que nous, on pense qu'on va mentionner ton nom parce que tu es chrétien? On ne cherche pas des chrétiens. On cherche des gens fidèles qui font bien le travail. Dis-moi Amen. Est-ce que c'est ton nom qu'on va recommander lorsqu'on dira « on cherche une personne » Si tu me dis oui, sur quelle base? Qui a attesté que tu es quelqu'un de soigné, de diligent, de fidèle? Parce que pour David, un conseiller du roi a dit au roi Saül, « Je connais un homme, David, fils d'Isaïe. C'est un homme, il est excellent,
Il prend soin des troupeaux de son père. Et en plus, c'est un excellent guerrier. Mais il prend soin des brebis de son père. J'ai vu comment ses frères l'ont traité. J'ai vu, je connais cette famille. J'ai vu comment on l'a traité lorsqu'il était méprisé. C'est le dernier de la famille. C'est le 8e enfant. Tout le monde le méprise. Mais il est toujours là. Il est soigné. Il reste avec les brebis de son père. Il ne se plaint pas de son sort. Et il prend soin. Il va risquer sa vie pour des brebis, même pas pour des êtres humains, des gens qui font des choses qui font ben, le lion, il risque sa vie pour sauver des brebis qui font ben. Dieu sait que si quelqu'un est capable de risquer sa vie pour des brebis, Dieu a trouvé un homme qui prendra soin de son peuple. Dis-moi amen. Alors la question c'est, est-ce que ton nom sera recommandé? Joseph a été recommandé. Joseph a été recommandé. Pourquoi? Pas parce qu'il était croyant, mais parce qu'il était fidèle. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis avec moi la loi de la fidélité. Les amis, ce que je vous dis, c'est simple. Je vais vous démontrer, c'est ce que je suis en train de faire, que la cause de ton blocage, la raison pour laquelle tu n'es pas à la tête encore, ce n'est pas parce qu'il y a des sorciers ou il y a des groupes d'hommes qui te font barrage. Je vais te dire une chose. Joseph n'aurait pas dû être premier ministre de Pharaon. Il n'était pas égyptien, c'était un hébreu. Il n'avait pas le bon pédigré. Mais j'ai découvert une chose. Quand quelqu'un prend soin, qu'il est appliqué, qu'il est compétent, qu'il est excellent dans sa tâche, même si ici, on ne prend pas soin de lui, mais qu'il continue de prendre soin de ce qu'on lui confie, tôt ou tard, quelqu'un posera la question, je cherche une personne qui est soignée, mais qui sait faire, mais qui est soignée, qui a une attitude soignée. Tôt ou tard, si là où tu es, ne prends pas soin de toi, Dieu t'enlèvera de là où tu es. Parce que quelqu'un cherche une personne fidèle. Et tu en t'enverras ailleurs. Toujours, tu ne peux pas être confondu quand tu marches avec le respect de la loi, de la fidélité. Dis-moi amen. Joseph a été recommandé. Toi qui vas te recommander. Pasteur, entrepreneur, ingénieur, docteur, ouvrier, maçon, qui va te recommander? Joseph a été recommandé par deux personnes. Parce que voyez-vous, je finis. Pharaon, roi d'Égypte, n'a pas pu établir Joseph premier ministre d'Égypte par hasard. Joseph n'est pas devenu premier ministre d'Égypte parce qu'il priait. Joseph ne s'est pas retrouvé avec la tête parce qu'il jeûnait. Ce qui a qualifié Joseph pour être la tête, c'était sa fidélité. Dis-moi amen. Il prenait soin. Pharaon n'a pas pu promouvoir Joseph comme ça par hasard. Alors on dit, c'est vrai, que Joseph a été élevé au rang de premier ministre d'Égypte parce qu'il a interprété un rêve. Mais le Saint-Esprit m'a dit faux. On ne peut pas mettre quelqu'un à la primature parce qu'il a interprété un rêve. Alors quelqu'un d'autre a dit oui, mais il n'a pas qu'interprété le rêve. Il a donné une stratégie, un conseil pratique sur comment traverser les 7 années de famine qui allaient venir en maximisant les ressources de 7 années de productivité. Joseph a donné un super conseil à Pharaon. Mais le Saint-Esprit m'a dit, donner un superbe conseil à un chef d'État ne te fait pas devenir premier ministre. Au mieux, on te nomme conseiller. Si c'est vrai, dis-moi amen. On ne nomme pas quelqu'un qu'on ne connaît pas premier ministre parce qu'il a donné un bon conseil. On le nomme conseiller. Mais comment Joseph est-il devenu premier ministre? Premier ministre, ça veut dire diriger une nation. Qui te recommandera? Joseph a été recommandé par deux personnes. La première voix que j'ai entendue m'a dit le Saint-Esprit, parce qu'il me l'a dit, Potiphar. Lorsque Pharaon a dit,
le conseil que cet homme vient de donner est excellent. Mais qui peut appliquer, qui peut diriger à mes côtés pour appliquer un tel programme? Qui peut veiller à l'exécution? Parce que là, je n'ai pas besoin d'un rêveur, d'un visionneur, d'un conseiller. J'ai besoin d'un manager, d'un directeur, quelqu'un qui sait superviser. Qui peut faire ce que le conseil que Joseph a donné? Et c'est là que Potiphar est sorti, des rangs. Il a dit, Majesté, excusez-moi, cet homme qui a donné le conseil peut le faire. En bon, pourquoi? Il a pris soin de ma maison. Je l'ai méprisé. Ma femme lui parlait mal. Elle l'injuriait, mais il était toujours soigné. Il était toujours appliqué. Il était toujours assidu. Jamais, jamais, je n'ai entendu cet homme se plaindre. Je ne l'ai pas entendu murmurer. Il n'a jamais injurié ni moi, ni ma femme. Il prenait soin des autres employés au point que je me suis détaché de tout. Il avait autorité sur toute ma maison, sauf sur ma femme. Cet homme a commencé petit. Il a grandi. Il a grandi en responsabilité. Je lui ai donné la gestion de toute ma maison. Majesté, roi, j'atteste que cet homme peut faire le travail. Pharaon a dit, c'est bien, mais la vérité, c'est qu'il faut au moins 2 ou 3 témoins pour établir une vérité. Quelqu'un d'autre a-t-il un record? Quelqu'un d'autre a-t-il un fait qui témoigne en faveur de cet homme? La voix, le chef des prisonniers, il s'est levé. Il a dit, moi, Majesté, cet homme est venu en prison, il était innocent, il n'avait rien fait, il n'avait rien fait. Mais en prison, il prenait soin de tout le monde. Il s'occupait de tout le monde. Il aurait pu être amer. Il aurait pu dire, je n'ai rien à faire en prison. C'est à cause de la femme de Potiphar. Potiphar m'a trahi. Je l'ai servi pendant ces années. Non, il ne se plaignait pas. Tous les matins, alors que lui-même était dans la galère, mais il allait prendre soin de ceux qui étaient dans la galère. Il arrivait vers un. Ça ne va pas? Ok, je vais voir ce que je peux faire. Je le voyais. Il se déployait. Il se démenait pour tous les prisonniers. Au point que moi-même, je l'ai établi sur tous les prisonniers comme étant un manager. Parce que il mettait. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que jamais il ne se plaignait. Il était appliqué. Il n'était pas payé, mais il faisait, ce n'était pas son problème. Il voulait juste être appliqué. Majesté, excusez-moi. Je dis, je le recommande. Pharaon a entendu, sur la base de vos déclarations, toi, Joseph, je te nomme premier ministre. Potiphar a dit, j'atteste. Le chef de la prison a dit, j'atteste, il est excellent, il est irréprochable. Qui attestera pour toi? Tu es un excellent leader, tu es un excellent travailleur. Qui rendra compte? Jamais on ne te prendra comme ça au hasard, qu'on ne te connaît pas. Pour les petites tâches, oui, mais il y a des dimensions dans la vie où il va falloir que les gens te recommandent. Mais quand ils te recommanderont, qu'est-ce qu'ils diront à ton sujet? Est-ce qu'on peut te recommander? Ou on dira, ah, non, je ne le recommande pas. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne deviennent pas la tête, ce n'est pas parce qu'il y a des groupuscules, machin, des groupes ésotériques, c'est faux. Quand quelqu'un est soigné, personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole. La vérité, c'est que Dieu lui-même ne peut pas accomplir parce qu'il voit que son peuple n'a pas appris la fidélité. La Bible dit, j'ai fini. Là, j'ai fini. Proverbe 12. Non, là, j'ai fini. Fini. Proverbe 12, 24. La main des diligents. Dis avec moi les diligents. Dis avec moi les diligents. Les diligents, ce sont ceux qui sont soignés. Ce sont ceux qui prennent soin. Ce sont ceux qui sont appliqués. La main des diligents dominera. Mais la main lâche sera tributaire. La version du semeur dit... Ceux qui travaillent beaucoup, littéralement, c'est ceux qui travaillent avec diligence, de manière soignée, s'assurent la direction des affaires. Ça ne peut pas échouer. Mais le problème, c'est que quand Dieu te dit, sois fidèle, la chair dit, ils n'en valent pas la peine. Ils ne méritent pas ça. Fais le strict minimum. Ces gens-là ne sont pas dignes, ils sont ingrats. Autrement dit, celui qui empêche le Saint-Esprit, de manifester ce qu'il a dit, ce n'est pas Satan, c'est ta chair à laquelle tu obéis. Le seul obstacle pour Dieu, c'est la désobéissance à sa parole. Sois fidèle et tu verras. Je te vois la tête et pas la queue. Si tu comprends ça et qu'à partir d'aujourd'hui, tu cesses de te plaindre
Et dans le peu qu'on te donne à faire, tu le fais bien. On te donnera encore plus. Tu le feras encore bien. On te donnera encore plus. Tu le feras encore bien. Progressivement, Dieu va te faire passer des paliers, des paliers, des paliers. Personne sur la terre, sous la terre, dans les cieux, n'a la possibilité d'empêcher ce que Dieu a décidé de s'accomplir. Incline la tête avec moi. Les manches ne le mettent. Si je me tais, si je me tais. Si je me tais, oh, j'apprendrai. Ne pars pas tout de suite. Je sais que l'heure est très avancée. Mais reste là. Et tant qu'on n'a pas fait la prière finale, par motif de respect pour la présence de Dieu, je te demande de ne pas partir. Il y a beaucoup d'urgences dehors, mais il y a des priorités. Une seule chose est prioritaire et nécessaire, la parole de Dieu. Alors je te demande encore quelques secondes. Si je me tais, oh, j'apprendrai. Si je fais taire la chair, à écouter la voix du bon. Pendant que tu es là, incline la tête et remercie Dieu pour sa parole. Remercie Dieu pour sa parole. Mets-toi devant le Seigneur. Dis au Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est vrai. Mais à partir d'aujourd'hui, que ce soit la saison d'un nouveau départ, d'une nouvelle dimension. Si je, oh, j'apprendrai. Si je fais taire la chair, si je crucifie la chair, et si je discipline mon âme, je veux apprendre à écouter la voix. Aide-moi à être sensible à ta voix. Aide-moi à t'entendre. Aide-moi à comprendre que tu as payé le prix pour ma vie. Si je t'aime, ma guille mon chat à la maille. Oh, beaucoup de choses ont été dites. Accorde-moi la grâce de prendre cet enseignement et de le réécouter, et de le réécouter, et de le réécouter. Mais dès maintenant, de prendre l'engagement, de prendre la résolution, Père, au nom de Jésus, de crucifier la chair, de ne pas laisser ma chair me disqualifier. Aide-moi à discipliner mon âme. La voix, quand je t'entends, c'est alors que je comprends. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi tu dis de crucifier la chair. Et quand je t'ouvre mon cœur, aide-moi à te voir. Aide-moi à te voir. À t'écouter, me donner la loi de l'Éternel, la loi du royaume. Dis-moi quelle parole je dois respecter. Accorde-moi la grâce de marcher par l'Esprit. Je dis oui, oui, ça c'est notre version. Oui, je dis oui, 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 je dis oui, Seigneur, je dis oui, Seigneur, je dis oui, Seigneur, je dis oui. Lève la main là où tu es, dis oui à cette parole, dis oui, je dis oui à l'héritage, je dis à une nouvelle dimension. Une nouvelle saison,
qui se lève sur ma vie. Je dis oui à une nouvelle destinée, un nouveau éclat, un nouveau rayonnement. À la vie abondante, à l'héritage, à la distinction divine, à la démarcation divine, à l'augmentation de tous côtés. Je dis oui, je dis oui à la vie de témoignage, à la crucifixion de la chair, à la discipline de mon âme, à l'obéissance à la loi de Dieu, à la loi de l'amour, la loi de la paix, la loi de la fidélité, la loi de la bonté, la loi de l'excellence, la loi de la fidélité, à la loi de l'honneur, à la loi du pardon, à la loi de l'humilité. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Je déclare, je décrète une nouvelle saison. Chaîne brisée, chair crucifiée, âme disciplinée et restaurée. Je dis amen, tu prendras désormais ton envol comme un aigle. Plus rien ne t'arrêtera. Je dis amen à la tête et pas la queue. Je dis amen à la distinction. L'héritage, la faveur me sortira dérangé. Comme Joseph, la faveur me propulsera à la terre. À cause de la fidélité, à cause de la diligence, je dis amen, je dis amen, je dis victoire sur le péché, sur le monde, sur Satan et tous les démons de l'enfer, sur la médiocrité, sur la chair, je dis victoire. À partir d'aujourd'hui, un peuple marchera par l'Esprit, obéira au son de la voix de Dieu. Je dis amen. Je dis amen à la parole de l'héritage, à la parole de Dieu, à la parole du royaume. Un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle grâce, fluidité divine, facilitation divine, augmentation divine. Je dis amen. Je dis amen. Je dis triomphe. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Triomphe de la parole de Dieu dans ma vie. Sur les démons de l'enfer. Sur la chair. Je dis triomphe sur le monde. Tu ne serviras plus de piste d'atterrissage de Satan dans ta vie. Élève la voix là où tu es. Dis aux démons de l'enfer. Dis à ceux dont tu avais toléré les œuvres. À partir d'aujourd'hui, je dis triomphe. Vous sortez de ma vie. J'appelle sur ma vie. Nouvelle saison, nouvelle grâce, nouvelle dimension. Augmentation divine. Héritage divin. Distinction, guérison, immunisation. Santé divine, création de richesse, c'est mon partage, c'est ton partage. Élève la voix, élève la voix, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Les catélémachalakamanolobos. Père, nous te rendons grâce pour ces 4 jours. Pour la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne l'intelligence au saint. Nous te rendons grâce. Tellement de choses ont été dites. Nous prendrons le temps de les réécouter. Mais d'emblée, nous te rendons grâce. Déjà, une personne a envie d'en découdre avec la chair. Là où hier, tu cohabitais avec la chair. Je sens une personne qui vient à l'adultère, à la fornication, à la jalousie, à l'envie. Ciao, ciao, bye, bye. Je te chercherai. On ne te trouvera plus dans mon cœur. On ne te trouvera plus. Amertume, bye, bye. Au revoir. Arrivederci, arrivederzen. Au revoir. Plus jamais de cohabitation. Je dis triomphe.
Bye bye. Élève la voix. Déclare. Prophétise. Je déclare et je décrète nouvelle saison sur mon frère, sur ma soeur, sur celui qui écoutait cette parole. Je déclare et je décrète héritage divin, la dimension de la vie abondante, la vie des vainqueurs, la vie des héritiers. Tu confirmeras la parole que Jésus a prononcée lorsqu'il a annoncé la manifestation d'une race de distinction. Mesdames et messieurs, la nouvelle création est sur le point d'être manifestée. Des fils sont sur le point de prendre possession. Des fils sont sur le point d'être déployés. La chair ne les arrêtera plus. Les démons ne les arrêteront plus. Le monde ne les arrêteront plus. C'est pas possible. Avec Dieu, ils feront des exploits. Nous te rendons grâce au Père. Tu nous as fortifiés. Tu nous as soutenus. Maintenant, nous te rendons grâce pour cette offrande que nous allons faire. Avant de quitter, et que tu l'amènes la semaine prochaine ou les semaines à venir, qu'importe. Je ne t'impose ni 500 000 ni 1 million. C'était juste un exemple. Mais je t'impose une marque de respect, de considération pour la présence de Dieu. Pour une personne, ce respect, ça sera 10 000. Pour une autre, ce respect, ça sera 50. Pour une autre, ça sera 100. Une autre, ça sera 500. Une autre, ça sera 1 million. Une autre, ça sera 5 millions. Qu'importe, fais selon le témoignage qu'il met à l'instant dans ton cœur. Il y a des montants que tu es capable d'apporter. Ce séminaire ne sortira pas d'ici endetté. Parce que Dieu à incliner le cœur d'une personne qui apprend désormais à marcher par l'esprit au son de sa voix et d'obéir. Désormais, la chair ne contrôlera plus nos mouvements. Nos âmes sont rééduquées. Père, assieds cette parole dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce de réécouter. Accorde-nous la grâce de comprendre. Même ce qui n'a pas pu être dit faute de temps. Saint-Esprit, rends témoignage à notre esprit. Parle-nous. Continue d'enseigner, de donner des exemples, des illustrations. Continue de mettre à nu, de briser ce qui n'est pas de toi. Et de prendre le volant, de prendre les rênes, de gouverner nos vies. Merci de ce que tu feras infiniment abondamment. Au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Merci. Parce que lorsque j'entends ce genre de paroles, je sais qu'avant de manifester, tu envoies toujours la parole. Et la parole produit ses œuvres. À la lumière de la parole que tu as envoyée, je vois l'émergence et la manifestation d'une génération de tueurs de géants, d'hommes et de femmes qui manifesteront une vie de différence. Tu peux dire au Congo, tu peux dire à Pointe-Noire qu'il va falloir compter avec toi. Tu peux dire à la francophonie, tu peux dire aux extrémités de la terre que tu es en train d'arriver. La manifestation des fils de Dieu a commencé. Tu peux dire, j'arrive, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le chaos ne prévaudra pas tant que je serai dans la place. Je serai la réponse de Dieu à ma génération. Béni soit le nom de celui qui a commencé cette œuvre. Béni soit le nom de celui qui a envoyé sa parole. Et sa parole nous a délivré de la force, de l'ignorance, de la confusion, du tourment, de l'affliction. Béni soit le nom de celui qui a commencé en nous une belle œuvre. Et nous déclarons et décrétons qu'elle resplendira. Elle sera parfaite. Des chefs-d'œuvre, pas une personne, mais une armée est en train d'être manifestée dans cette génération. Béni soit le nom de celui qui est suffisant pour ces choses. À toi et à personne d'autre soit honneur, louange et gloire dès maintenant et dans toutes les générations. Père, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Je dis
triomphe. Simplement acclamer. Est-ce que nous pouvons tout simplement acclamer pour témoigner notre reconnaissance, témoigner notre gratitude? Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Que quelqu'un dise à son voisin, tu as bien fait d'être là durant ces 4 jours. Amen. Et comme l'a dit le pasteur Ivan, ne sortons pas avant la prière finale. Il y a une chose qui est importante. C'était 3 secrets pour découvrir et posséder son héritage. Amen. Que quelqu'un dise 3. Et le Saint-Esprit a voulu de manière particulière s'arrêter sur les 2 premiers secrets. Amen. Et je suis convaincu que c'était notre besoin. Que quelqu'un dise amen. Et je sais que nous voulons écouter et comprendre aussi le 4e secret. Le 3e. Et j'ai ressenti dans mon cœur que le Saint-Esprit nous dit, tant que vous n'allez pas manifester la 2e condition, vous ne serez pas prêt à écouter la 3e. Est-ce que quelqu'un...